Bon, voilà. Alors écoutez, bienvenue à tout le monde. On va démarrer si vous en êtes d'accord. Je vais commencer par 5 ou peut-être, enfin, j'essaie de ne pas être long, mais 5 ou 10 minutes de présentation de cet événement. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est que tous les gens qui assistent et qui sont pas, qui sont pas, qui ne participent pas à la table ronde proprement dite pensent bien à couper leur micro dès maintenant. Et puis, tous les participants à la table ronde, ben, en gros, interviennent comme ils veulent, même si on a défini non pas un ordre de passage, mais une espèce de plan, comme on dit. Voilà, de plan que je vous présenterai à la fin. Donc, écoutez, bienvenue à la 4e soirée du Lyris. Donc, bienvenue à la 4e soirée du Lyris, qui est donc intitulée Tunisie 2021, où on est une révolution qui avait jusqu'alors contenu sa violence et son ardeur. Alors, c'est une citation qu'on doit à Sophie Vaniche, qui a accepté de participer à cette table ronde, ce dont je la remercie très vivement et très sincèrement. Cette citation est extraite d'une conférence qu'elle a donnée à l'initiative de Mediapart le 21 juillet 2017 dans le cadre du Festival d'Avignon. Cette vidéo est disponible sur YouTube, je vous encourage à aller la voir, elle est passionnante. Et dans cette vidéo, elle évoque très précisément la question de la révolution tunisienne, et c'est à propos de cette révolution qu'elle dit qu'elle a su contenir jusqu'alors sa violence et son ardeur. Et d'ailleurs, elle pourra peut-être nous en dire quelque chose. Voilà, ce n'est pas forcément que c'est quelque chose qu'elle constate, mais une violence qui sait ne pas contenir son ardeur, je pense que pour Sophie, c'est plutôt une qualité. La violence, c'est un peu différent. Pourquoi cette soirée? Eh bien, écoutez, c'est en réponse à nos amis et partenaires tunisiens, et notamment à Hamadi Djeljeli, ici présent, que je salue. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'une discussion avec lui, j'ai pris conscience de la crise que traverse depuis janvier la révolution tunisienne, qui est une crise grave, en fait, hein, et dont on a pas mal parlé en France, mais encore faut-il être attentif. Moi, j'avoue que j'étais peut-être un tout petit peu passé à côté. Et nous nous sommes dit, alors au pôle coopération de l'Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social, on s'est dit qu'il fallait organiser un peu en urgence et en soutien à nos amis tunisiens une soirée du Lyris sur ce thème. Une soirée qui réunisse à la fois des acteurs, des actrices qui puissent témoigner de ce qui se passe en ce moment sur le terrain en Tunisie, et qui puissent livrer et confronter à chaud leurs analyses, en sachant que voilà, c'est pas une mince affaire. Et donc, dans cette perspective, nous avons demandé à Hamadi Djeljeli de participer. Donc, Hamadi Djeljeli, il est président de l'association Création et Créativité pour le Développement et l'Embauche. C'est un partenaire de l'IMF depuis plusieurs années, quelqu'un dont je suis absolument admiratif, et qui a donc développé des activités du côté de l'économie sociale et solidaire et des coopératives d'activité et d'emploi après la révolution tunisienne. Donc, on a là quelqu'un qui développe des activités qui ne sont pas essentiellement politiques ou au sens étroit du terme, mais complètement en lien avec la révolution à laquelle il a participé. Nous avons aussi parmi nous donc Samia Frawes, qui est secrétaire générale adjointe du réseau Euromed France et référente genre à Solidarité Laïque. Et on avait besoin de quelqu'un qui puisse évoquer les questions féministes et la cause féministe actée et mise en œuvre par la Révolution. Et enfin, Tarek Beniba, qui est président de l'association Citoyenneté, Développement, Culture et Migration des Deux Rives, mais qui a aussi été prisonnier politique sous Ben Ali, et qui a de multiples activités en France du côté de la communauté tunisienne et en lien avec la révolution actuelle. J'espère pas dire trop de bêtises, vous corrigerez hein, lorsque vous prendrez la parole les uns et les autres. Donc, toutes ces personnalités ont répondu favorablement et immédiatement à notre appel, mais il faut dire que nous-mêmes, on répondait un peu à leur propre appel, donc c'est une histoire d'appel en écho. Voilà, je les remercie très vivement. Mais c'est le troisième point de mon introduction. L'idée, c'était aussi, comme le dirait Julien Talpin, de refroidir un peu une question chaude, voire brûlante. Quand Talpin parle de ça, il parle des discriminations en France, dans son dernier bouquin formidable. Il ne parle pas de la révolution tunisienne, mais j'ai décidé de reprendre un peu cette expression. Et il s'agissait donc de solliciter d'autres acteurs
et d'autres actrices, si possible issues du monde académique et si possible issues, enfin, si possible acteurs et présents en France, de façon à ce que s'engagent donc entre les représentants de la société civile, on pourrait dire, et puis des acteurs qui sont plus situés du côté du monde intellectuel, de façon à ce que ça, à ce que s'engage entre eux, entre elles, bah, une espèce de conversation mondiale, même si c'est un peu prétentieux de le dire, mais il me semble que c'est une citation de Bourdieu, donc même si ces prétentions ne vont pas se gêner, et donc une conversation mondiale qui témoigne de notre solidarité à l'égard du peuple tunisien, mais qui permet aussi de fabriquer collectivement, en unissant nos forces et nos intelligences, de nouvelles grilles d'analyse, ou du moins des grilles d'analyse qui soient partagées. Alors, il y en a déjà eu beaucoup, je pense, qui ont circulé dans la presse concernant ce qui se passe en Tunisie, mais bah voilà, ça ne nous empêche pas, nous, d'en élaborer. Et en plus, on peut dire qu'à travers cette élaboration, l'idée aussi, c'est de penser ensemble, en fait, hein. Le plaisir, c'est de penser ensemble, de part et d'autre, de la Méditerranée, et en rassemblant des gens qui, peut-être, ne seraient pas là ponctuellement rencontrés sans nous. Voilà. Donc, quatrième point, bah, d'où la présence aussi parmi nous de Sophie Vaniche, qui est directrice de recherche au CNRS et autrice d'une bonne vingtaine d'ouvrages sur la Révolution française. Alors, Sophie, j'ai lu ça dans votre fiche Wikipédia. Voilà, moi, il se trouve que moi, c'est mon fils, hein, qui a rédigé ma fiche Wikipédia. Donc, je ne sais pas si tout ce qu'on peut lire sur la vôtre est vrai. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et puis, ça fait quelques semaines que je me balade sur YouTube. De vidéos que vous avez produites en vidéo et d'articles de vacarme en articles de ligne. Donc, je pense que la fiche est à peu près exacte. Mais on a également avec nous donc Jean-Marc Salmon, qui est sociologue. Alors, un sociologue à la trajectoire, je ne sais pas si on doit dire atypique, mais moi qui m'a assez fasciné, puisque dans sa carrière, Jean-Marc Salmon, pareil, hein, je me fie à la fiche Wikipédia que le fils de Jean-Marc Salmon a rédigée. Il a été donc directeur de médias chez Ipsos, il a travaillé dans des cabinets ministériels. Il a été directeur du bureau du livre français à New York, et puis d'autres choses que je ne révélerai pas ici parce qu'elles ne sont pas nécessairement avouables. Et voilà, et qui est surtout l'auteur en 2016 aux éditions Les Petits Matins d'un formidable bouquin qui s'intitule 29 jours de révolution, histoire du soulèvement tunisien, 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Voilà. Donc, avant de C'est le cinquième point de ma petite intervention. Avant de laisser la parole à nos invités, bah, je voulais juste remercier quelques personnes à l'IMF RTS qui ont rendu possible cette soirée. Alors d'abord, notre directrice générale Marie-Pierre Sarah et notre président François Tessier bah, qui nous ont soutenus, Antoine Passavant et moi, dès qu'on leur a proposé une soirée qui sort quand même un peu du périmètre de ce qu'on propose en général dans des instituts de formation et de recherche en travail social. Virginie Slifka, qui est à mes côtés à l'instant même et qui a réalisé toute la communication autour de cet événement, et c'est un vrai plaisir de travailler avec quelqu'un d'aussi compétent. L'équipe du pôle coopération, donc Muriel Lyon, Antoine Passavant, Mathilde Beauperrin, puisque c'est vraiment grâce à l'existence de ce pôle ben, qu'une telle manifestation peut avoir lieu. Et puis, je voulais dire que, bon, voilà, je pense que c'est formidable qu'un tel événement puisse être suscité par un institut de formation en travail social. Ce n'est pas si fréquent. Mais je tiens à dire que ça se situe quand même complètement dans le projet associatif tel qu'il a d'ailleurs été renouvelé tout récemment et qui est assez passionnant, où il est question de l'action politique militante et innovante de l'INS. Donc on est bien dans une action politique militante et innovante. Voilà. Alors je vous propose de laisser maintenant la parole à nos invités. On s'était un peu mis d'accord sur une trame qui pouvait être la suivante. Peut-être dans un premier temps, on pouvait faire un rappel un peu rapide de la révolution de 2011. Et ça, peut-être c'est Jean-Marc qui peut le faire, mais évidemment aussi les gens qui ont pu la vivre ben, sur le terrain, ce qui d'ailleurs, Jean-Marc, était peut-être ton cas, hein. Mais enfin, je veux dire, voilà, premièrement, on peut peut-être parler un peu de cette révolution. Ensuite, l'idée, c'était de procéder à une comparaison avec la Révolution française, parce que c'est tout l'intérêt de la présence de Sophie Vaniche parmi nous, voilà, de pratiquer cet anachronisme contrôlé, pour citer Nicole Lauraud, dont elle est vraiment spécialiste. En troisième
plan et troisième point, on pourrait peut-être évoquer la place des intellectuels de part et d'autre de la Méditerranée dans cette révolution, parce qu'en discutant avec un peu Sophie Vanish, j'ai cru comprendre que des tentatives avaient été lancées des deux côtés. Et donc, je ne sais pas si je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais il y a peut-être une certaine façon, comment dirais-je, l'intérêt de la part des intellectuels français aurait peut-être pu être plus important. Il est possible qu'il ait été découragé. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on aurait mis le doigt sur quelque chose et ce serait assez passionnant de le documenter. En quatrième point, on peut peut-être parler de la situation actuelle parce que c'est ce qui motive quand même notre présence. En cinquième point, on peut peut-être revenir à la Révolution française pour essayer de comparer justement ce qu'il en est du processus révolutionnaire et peut-être contre-révolutionnaire aujourd'hui et ce qu'il en a été du processus révolutionnaire et contre-révolutionnaire français durant toute la période qu'a duré la Révolution. Et enfin, il y a peut-être la question de savoir comment des luttes progressistes peuvent triompher de part et d'autre de la Méditerranée, en sachant que cette révolution, je pense, en Tunisie, a quand même été un espoir pour tous. Je me rappelle de l'enthousiasme d'Anne Rollin, qui est présente parmi nous quand Barack Obama a été élu. Peut-être qu'il n'y a pas... C'est peut-être pas totalement comparable, mais en tout cas, cet événement de la révolution tunisienne a aussi été finalement un événement considérable pour nous tous. Et peut-être qu'on a à apprendre, c'est mon hypothèse en tout cas, qu'on a à apprendre de cette révolution, nous en France, et non pas l'inverse. Voilà, en tout cas, on a nous aussi à apprendre. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la présentation. Donc, je propose qu'on aborde le premier point, qui est la question d'un rappel un peu des faits dans lesquels consistait cette révolution il y a 10 ans maintenant. Donc, je ne sais pas si Jean-Marc, tu veux commencer ou si d'autres veulent se lancer. On peut se donner 20 minutes. Donc, je pense qu'il faut quand même se garder un petit temps de discussion avec la salle, puisqu'on a un auditoire de qualité, voire S-qualité. C'est à toi, si tu souhaites. On entend, ça va? Oui, très bien. Enfin, je veux bien dire quelques mots pour commencer. C'est mon fils qui a fait la fiche Wikipédia. Il y a des choses qui sont quand même relativement fondées. Mais évidemment, j'aimerais bien qu'on ait combien de temps vous voulez. Je voudrais introduire brièvement, puis que Tarek. Jelly, Amadi, tout ça puisse intervenir quand même. Tu peux prendre 5 bonnes minutes, c'est comme tu veux. D'accord. Alors, 5 minutes. Écoutez, moi, la première chose, je pense, que j'ai envie de dire, c'est de parler de la première journée qui est le 17 décembre. Voilà. Le jour où Mohamed Bouazizi se brûle à Sidi Bouzid. C'est important, je pense, de parler de cette première journée parce qu'elle va éclairer notre dernier point de discussion sur la Tunisie aujourd'hui. Voilà. Puisque les mouvements de rue qui se sont produits autour du 10e anniversaire en janvier et qui se sont traduits quand même, il faut le dire tout de suite, par plus d'un millier d'arrestations, on est probablement à 1500. Se fait en rappelant ces protestations, ces manifestations, en rappelant les qu'on va appeler les promesses, les espoirs soulevés par la révolution 10 ans avant. Voilà. Et dans ces espoirs soulevés par la révolution, il y a évidemment l'espoir social. Parce que ça commence comme ça le premier jour. Ça commence pas par des déclarations révolutionnaires de révolution politique. Le premier slogan qui apparaît, et qui revient, qui surprend, c'est « Le travail est un droit, bande de voleurs ». Voilà. Alors, c'est un slogan qui ne tombe pas par hasard, parce que ça a déjà été un slogan de la première d'association de 3 mois auparavant. Si on fait l'adoption, on est sans logique, sans logique. Alors, si on fait l'option, il faut, dans le marché de la terre 2019, inférieur à 67 euros pour les ventes. Il y a un problème de son. Et 72 600 pour les services. Désactivez peut-être le micro de Théo. Il y a quelqu'un qui l'administrateur. Ouais. L'administrateur. Voilà.
Bon, merci. Donc, je disais, cette première journée est importante parce qu'au fond, elle nous permet tout de suite de contextualiser les manifestations qui sont produites lors du 10e anniversaire au mois de janvier dernier et qui se sont soldées quand même par l'arrestation de plus d'un millier de jeunes. Parce que ces jeunes sont allés dans la rue en rappelant quand même aussi les espoirs soulevés par la Révolution, les espoirs déçus de la Révolution. Et ces espoirs déçus de la Révolution sont d'abord des espoirs sociaux. Voilà. Voilà. Et ces espoirs sociaux, ils apparaissent dès le premier jour. Parce que le premier jour, à Sidi Bouzid, de la Révolution, les gens n'ont pas de grandes déclarations. Ils ne réclament pas le départ de Ben Ali, la chute du régime, etc. Non, pas du tout. Les gens, ce qu'ils réclament, c'est le droit au travail. Ils ont un slogan qui est « le travail est un droit ». Voilà. Ils demandent, autrement dit, le plein emploi. Voilà, c'est ça qu'ils demandent. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « bande de voleurs ». Et le « bande de voleurs », c'est une dénonciation de la corruption et de la corruption implicitement au sommet du régime, puisqu'il ne faut pas oublier que Wikileaks a publié des 20 000 ou 30 000 câbles diplomatiques, des dizaines de milliers de câbles diplomatiques du gouvernement américain, et que les réseaux tunisiens de cyberdissidents, de Nawat, ont mis en ligne fin novembre, début décembre, donc quelques jours auparavant, les câbles qui concernaient la Tunisie, et que le portrait qui est fait de la famille du président de la République, Ben Ali, est effarant pour beaucoup de gens, hein, dans la corruption. Voilà. Et donc, quand ils disent bande de voleurs, beaucoup de gens décodent la famille présidentielle. Voilà. Or, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est qu'on est loin du plein emploi, le droit au travail n'a pas été reconnu dans la Constitution, et la corruption, c'est, on va dire, je vais être un peu provocateur, démocratisée, on va dire, elle s'est répandue un peu partout dans la société, et elle est, en tous les cas, au moins aussi pesante, si ce n'est pas plus qu'au moment du soulèvement. Voilà. Donc voilà, la révolution, autrement dit, le soulèvement de Sidi Bouzid va faire tache d'huile. En quelques jours, il va gagner, il va d'abord susciter les sympathies de la gauche à Tunis, de la gauche syndicale et des avocats qui font tout de suite des sit-ins, ce qui dans le régime de Ben Ali se remarque tout de suite et provoque des réactions violentes. Et puis surtout, il va gagner dans le gouvernement de Kasserine, d'abord à Tala et ensuite à Kasserine. Et après ça, il va gagner la côte 4 jours avant la fuite de Ben Ali, hein, tout simplement. C'est extrêmement rapide comme processus, ça prend seulement 29 jours. Voilà. Et autrement dit, les revendications politiques arrivent sans qu'il y ait une préparation dans des comités, à la base, etc. Elle arrive brutalement, voilà, la transition. Et je ne veux pas dire grand mot de cette transition. Il n'est pas du tout acquis au lendemain du 14 janvier qu'on change de régime politique ou qu'on change la société tunisienne. C'est tout l'enjeu des 30 jours, plutôt des 60 jours qui vont s'écouler entre le 14 janvier et le début mars. Et ce qui va emporter la décision de faire une révolution politique, c'est le sit-in à Casbah. Voilà. Sit-in à Casbah qui est quand même initié, il faut le rappeler, par les jeunes de Menzel Bouzaïane, qui est à côté de Sidi Bouzid et où sont tombés les deux premiers martyrs de la révolution. Voilà. Alors, ils vont obtenir la rupture politique. Donc, finalement, le gouvernement accepte le principe d'une assemblée constituante et d'élections, mais en même temps, la gauche tunisienne, qui voulait faire du droit au travail une revendication, elle le met dans les plateformes de fin janvier, ne parvient pas en fait à l'imposer dans l'ensemble des forces de contestation, et le droit au travail passe progressivement sous la trappe. Voilà, voilà un peu comment j'articulerai la présentation des événements révolutionnaires, des journées révolutionnaires et de la situation présente. Je suis sûr que Tarek
Djaljili Hamadi et Samia ont des, beaucoup plus à dire que moi. Je ne suis arrivé là-bas. Tarek, Samia ou Hamadi, vous avez la parole. Je ne sais pas si Samia veut intervenir, sinon... Oui, tu peux, Tarek. On peut se compléter après. Oui. Eh bien, je pense que Jean-Marc a dit l'essentiel. D'abord, un point qui fait toujours débat, surtout chez les camarades de gauche, surtout les camarades de gauche dogmatiques. Est-ce que ça a été une révolution ou non? Moi, je dis que d'abord, il n'y a pas de recette sur ce qu'est une révolution. Ça varie d'un penseur à l'autre, d'une école à l'autre. Mais eu égard aux changements intervenus, malgré les échecs, malgré les faiblesses, et malgré la mouise dans laquelle on est en Tunisie, au-dessus du cou et juste sous le nez, je pense que c'est une révolution, parce qu'on a dégommé un régime affreux. Entre parenthèses, j'ai été torturé non pas sous le régime de Ben Ali, mais sur celui de son ancêtre, Bourguiba, qui, malgré tout ce qu'il a pu faire de bien, a été aussi un tyran avec une police politique, avec des bagnes et avec de la répression et de la torture. Donc, le départ du régime de Ben Ali, l'impact qu'il y a eu en Tunisie, dans le monde arabe, dans le monde tout court, de cette révolution, je pense, a été tellement important que ça mérite amplement le terme d'une révolution. Mais bon, ce n'est pas une révolution classique. On le paye maintenant. Il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de... Les élites n'ont pas pu surmonter leurs égos et s'unir pour proposer une marche. Ce qui est quand même cocasse, c'est que la liste des blessés de la révolution n'a été officialisée qu'il y a quelques semaines, cette année, 11 ans après. Elle pose encore des problèmes, hein, d'abord sur la date. On l'a arrêté au 14 février, alors que c'est impensable de ne pas prendre en considération des gens qui se sont battus après le 14, qui ont été tués par les forces armées, par la police. C'est vraiment honteux pour leur famille, cette non-reconnaissance. J'espère que ça va s'arranger après. Donc, ouais, les principaux faits ont été rappelés. Peut-être aussi rajouter que parmi les outils, parmi les compromis qui ont été faits, c'est refusé par une certaine minoritaire, mais on a eu quand même les quatre meilleures lois, ou ce n'est pas des lois, alors faut faire attention. Les quatre textes juridiques qui concernent ont instauré la liberté associative, la liberté des partis, la liberté de la presse la création d'une commission de l'instance l'ISI, l'instance indépendante pour les élections, sont sortis de cette fameuse autorité à laquelle j'ai participé, la haute autorité pour dont le nom à rallonge, hein, qui est très long, qui était présidée par j'ai oublié son nom, voilà, le grand professeur constitutionnaliste. Cette forme de compromis a permis de trouver des solutions. Le reste, on a payé l'absence d'une force
qui regroupait un maximum de gens démocrates, de gens de gauche, de gens progressistes. Donc on l'a payé et ce sont des forces que ce soit des anciens d'Estoria, des anciennes forces de Ben Ali, l'islam politique, qui ont donc surtout en alliance jusqu'à maintenant, donc qui se sont qui ont commandé et qui sont responsables de la non-satisfaction, je dirais, surtout des revendications économiques des jeunes en matière d'emploi, en matière de bien vivre, et avec l'accroissement, l'accaparation, la généralisation d'une corruption qui fait beaucoup de mal. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Bien, merci beaucoup. Est-ce que Samia, tu veux enchaîner, ou Hamadi? Peut-être pour compléter, il faut revenir, parce que c'est vrai, c'était un grand débat par rapport à dire la révolution tunisienne ou bien des soulèvements populaires en Tunisie, mais il faut revenir en arrière un petit peu avant la révolution tunisienne. Depuis plusieurs années et depuis l'indépendance, bien que la Tunisie est un pays avant-gardiste dans la région, surtout par rapport aux pays arabes, alors que les droits humains en général sont bafoués en Tunisie et la protection de ces droits est entravée par les inégalités observées dans le pays. Donc il y a une situation politique difficile, la répression des mouvements sociaux, des mouvements de la jeunesse. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de possibilité de mener une action syndicale ou bien associative. Il n'y a que 5 associations à l'époque qui ont la possibilité d'agir malgré toute la répression. Et puis, il y a toute une oppression de toute voie revendiquant les droits et les libertés. En plus, le contexte économique de la Tunisie depuis plusieurs années est critique, avec l'augmentation de la pauvreté, une partie de la population qui bénéficie de la part importante des richesses et qui a accès à un revenu supérieur. Par contre, la majorité de la population dans la pauvreté, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec l'un tiers de la population au-dessous de seuil de la pauvreté. Après, il y a toute la politique économique avec la baisse des revenus, les pertes d'emploi, l'augmentation du chômage, touchant principalement les jeunes et particulièrement les jeunes diplômés et surtout les femmes. Après, il y a le décrochage scolaire qui atteint aujourd'hui à peu près pour cette année avec la pandémie 130 000 enfants, et avec les services publics qui sont délaissés par l'État et le désengagement quasi total de l'État de son rôle social. Ce sont les éléments principaux qui ont ramené vers la révolution de 2011, sachant que ça commençait bien avant avec le bassin minier depuis les soulèvements populaires en 2008, et c'était toujours pour les mêmes revendications sociales et économiques. Et donc, à travers son histoire, la Tunisie a connu des soulèvements populaires de grande ampleur, avec des revendications pour des droits, des libertés, de l'égalité et de la justice. Et c'est à partir de 2010 que c'était toute l'histoire que Jean-Marc a raconté par rapport au martyr Bouazizi. Et c'était la révolution sans leadership politique. C'était un mouvement de jeunesse et qui a été dans l'idée, ou bien avec un rejet total de régime politique autoritaire, corrompu,
incompétent et incapable de répondre à tous ces, de faire face à tous ces problèmes ou de répondre aux attentes de jeunes. Et donc, si on va faire le bilan après la révolution, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas des acquis ou bien des avancées. C'est tout ce que Tarek a tout à l'heure raconté, c'est la liberté d'expression, c'est aussi la place des médias, c'est la constitution tunisienne avec de nouveaux acquis protégeant, de nouveaux acquis en matière des droits humains. Après, il y a eu pas mal de réformes juridiques et la promulgation de lois importantes, comme la loi 58 contre les violences à l'égard des femmes et des filles, et la loi contre la discrimination raciale, et puis la mise en place de tous les mécanismes avec la création des instances indépendantes. Les différentes mesures qui ont été prises pour la tenue des élections présidentielles et législatives en 2014 et 2019 après les élections municipales en 2018 et toute la dynamique politique qui a été créée en Tunisie avec une grande participation de la jeunesse à la vie associative et aussi le rôle de la société civile. Je ne sais pas, après Yves, si tu veux, on avance un petit peu sur l'état actuel ou bien on aborde... Alors, peut-être qu'Amadi ouais, peut Amadi. Revenir un peu sur ce qu'il a, voilà, sur ce qu'il a vécu, lui, et comment il analyse cette révolution il y a 10 ans. Amadi ? Merci. Donc, dès le début, j'étais un acteur dans ma région dans la révolution. Et j'ai cru qu'on a vraiment, donc on a pris notre destin dans nos mains. Mais je ne sais pas, la ballon est passé à qui? On ne se retrouve pas aujourd'hui. Et pour cette raison, donc, j'ai préparé quelque chose pour dire, donc, je parle sur les jeunes et la jeunesse. Donc, j'étais jeune à la veille de la révolution. Maintenant, j'ai devenu adulte. Donc, j'ai appelé ça, donc, quelle place occupent les jeunes dans l'état de transition démocratique en Tunisie. Donc, j'ai fait une petite lecture donc, de vraiment la place des jeunes. Et si tu peux y aller, ouais, très bien. Oui, et je commence par... L'absence des solutions relance ou remonte la violence. Donc, les jeunes sont une force de construction, mais au lieu d'être des maçons, ils ont toujours été des ouvriers dans un chantier qui ne les correspond pas, qui n'appartient pas à leur monde, dans lequel ils aspirent à vivre dans la dignité et la liberté, un monde dans lequel ils s'y retrouvent. Les chansons de virage, le rap, les courts-métrages, les sketchs, les capsules vidéo qui sont réalisées et diffusées sur les réseaux sociaux, tous ces produits critiquent la situation générale, déclarent leur rejet et leur mécontentement face à la situation dans laquelle la révolution tunisienne est devenue. En ce qui concerne la participation à la vie politique publique, les jeunes existent à peine. Et la question qui se pose toujours, pourquoi cette modeste présence de la jeunesse? Où sont les jeunes propriétaires de la révolution et de son avenir? À mon avis, les jeunes ont toujours été présents dans les discours des politiciens, dans les programmes des partis politiques, sur les papiers, dans les théories, mais ils sont les principaux absents dans les pratiques et dans la réalité. Leurs réponses et leur analyse indiquent que les jeunes sont réticents à participer à la vie publique et sont incapables de comprendre la réalité politique. Les changements et les fluctuations géopolitiques, sociopolitiques, socio-économiques, cette excitation de conceptualisation et de théorisation a créé un monde différent du monde dans lequel les jeunes vivent aujourd'hui ou aspirent à vivre. Ici, il y a une existence de deux mondes différents, un monde qui a partiellement reposer la vieille lutte idéologique et le repositionnement politique, un monde qui pose la question de nous ou de vous.
et ne croient pas à la coexistence, un monde gouverné par des conflits d'intérêts et de gouvernance, loin des vrais problèmes des citoyens et les exigences de la révolution. Est un autre monde qui estime que la révolution a été établie pour répondre aux exigences de dignité et de liberté et pour atteindre une véritable citoyenneté dans laquelle il réalise ses aspirations à une vie décente, sans exclusion ni discrimination. On pourrait dire, d'une autre manière, deux mondes qui n'utilisent pas les mêmes outils de diagnostic, d'analyse et d'agir, qui n'ont pas la même vision. Ces jeunes ont vécu leur enfance à la fin de l'époque de la dictature et au stade de leur prise de conscience et de la construction de leur personnalité, c'était pendant la révolution qui a apporté la liberté. Ils n'ont pas vécu consciemment l'étape de l'oppression et de la tyrannie. Les jeunes aujourd'hui ont vécu et respiré la liberté et en sont venus à croire que c'était la norme et que tout ce qui contredit ou affecte cette liberté est l'exception et auquel il faut résister. Autrement dit, un monde des lettres et des fax et un monde qui utilise les nouvelles technologies. Malheureusement, j'ai une partie qui appartient au premier monde et heureusement, la deuxième partie qui est la plus active et la plus vivante appartient au deuxième monde. Et cette personnalité vétérane que je suis me donne plus ou moins le droit d'analyser de manière critique la réalité et la situation des jeunes après la révolution. Et je propose aussi donc une solution, c'est d'avoir un vrai dialogue entre ces deux générations pour développer une nouvelle vision de la nouvelle Tunisie qui rassemble et ne sépare pas sans exclusion ni discrimination, quelle que soit sa référence idéologique, économique, sociale, intellectuelle ou culturelle. Elle prend des expériences du passé et du présent et construit pour l'avenir. J'espère que j'ai donné un peu mon avis et ma lecture pour la réalité d'aujourd'hui. Donc, on vit un conflit ou une déconnexion entre deux générations. Une génération qui gouverne et qui représente et est représentée dans les partis politiques et une autre génération qui se manifeste dans les rues. Merci beaucoup, Hamadi. C'est exactement la prise de parole, c'est impressionnante que tu viens de faire. C'est exactement celle que tu avais eue et qui est à l'origine en fait de cette table ronde. Là, on est tout à fait à l'origine même de la table ronde. J'ai vu que Sophie Vanish prenait très très attentivement des notes. Est-ce que Sophie, tu veux ou vous voulez? Oui, merci. Merci à chacun. J'essaye de prendre des notes pour essayer de rebondir. Donc, la première chose, c'est révolution sociale et révolution politique. En tant que révolution sociale, ça serait celle qui tourne autour de la question du travail et la révolution politique autour de quelle transformation du leadership et quelle transformation des conditions de possibilité de la vie politique comme telle. Et il me semble que là, on est dans un débat qui me semble être maintenant un peu ancien, parce que toute révolution a une base sociale. Et donc, je suis d'accord avec l'idée que le démarrage prend appui sur ce qu'on pourrait appeler classiquement une lutte des classes, avec le bassin de Gafsa en 2008 et les scissions syndicales et toutes sortes de choses qui se passent en amont de la révolution. Mais ce qui mérite une attention et qu'on puisse mettre le mot révolution, c'est quand justement on sort de la répétition des gestes classiques d'un mouvement social pour voir s'agréger sur un temps court des gens qui auparavant ne s'agrègent pas à ce mouvement social. Et donc, il y a bien quelque chose qui se transforme dans la société qui est inattendu, car ce qui restait auparavant 10 juin produit ce qu'on pourrait appeler une sorte de moment de fusion.
Et donc, quand on cherche à savoir quel est le temps court de la révolution tunisienne, c'est le temps court du moment de fusion. Parce que ce moment de fusion est le moment aussi de l'enthousiasme. Et que ce qui est le propre d'une révolution, c'est de produire cet enthousiasme. Et je crois que toute révolution, en fait, produit le plus haut degré de son espérance à ses tout débuts. Et c'est au tout début d'une révolution, dans la revendication à la fois de dignité, de liberté et d'égalité. Et je pense que la revendication autour du travail, elle est indissociable de la revendication autour de la dignité. Et de ce point de vue-là, on est déjà dans autre chose que la réclamation sur les salaires ou sur les conditions de travail, qui sont des réclamations tout à fait légitimes, hein, ce n'est pas du tout pour les dégrader, mais qui sont des revendications qui sont celles qu'on pourrait appeler, pour l'ancien régime, celles de la rébellion, alors que la révolution précipite en fait d'autres énoncés qui ont immédiatement une portée qui s'appuie et qui produit l'enthousiasme. Et donc ce moment-là, c'est le moment de démarrage, et le moment de démarrage, c'est le plus haut moment. Et c'est pour ça que la haute autorité, c'était aussi une haute autorité pour maintenir les objectifs de la révolution. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, ce temps du précipité, qui est le temps de la fusion, qui est le temps enthousiasmant, il va se décomposer et qu'il va y avoir des lignes brisées. C'est-à-dire que la fusion ne va pas durer. Et qu'à ce moment-là, on va avoir des conflictualités, des difficultés, des incompréhensions, plus que des malentendus, du conflit qui, en fait, produit un très grand désarroi, parce que c'est le moment où, justement, alors que tout le monde était vraiment dans un ensemble fusionnel, les groupes se reconstituent. Et donc, il y a une disjonction là où il y avait une conjonction. Et cette disjonction, elle vient assez vite en Tunisie. Elle vient assez vite, mais en même temps, elle n'est pas désespérante parce qu'elle correspond aussi à une efflorescence de société, de pensée, d'organisation de la société qui se donne effectivement, comme ce qui a été dit à l'instant, la possibilité de prendre son destin dans ses mains, avec toutes sortes une trop grande multitude, hein, on a dit, de partis politiques, hein, pour les élections, mais une multitude aussi de groupements dans la société civile. Et du coup, ces petits groupes permettent de maintenir cet idéal et ce haut degré de rapport aux politiques, pour reprendre l'opposé de ce que dit Julien Talpin sur « il faut refroidir ». On est là dans le moment où il faut maintenir le chaud pour que la révolution se maintienne. Et donc, ce chaud se maintient malgré les lignes brisées. Mais l'utopie des lignes brisées, c'est le fait qu'on sent la brisure et qu'on est un peu dans le désarroi, mais qu'on souhaite la relancer, la révolution. Bon, on la relance. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un peu un sentiment de, ben justement, de ces lignes brisées. Et en même temps, ce que j'entends aussi dans ce que vous avez dit, c'est que l'événement révolutionnaire ne peut pas être effacé. Et qu'en tant que tel, il laisse en chacun des Tunisiens, soit qui ont contribué, soit qui ont assisté, et la position du spectateur est assez importante aussi, c'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas dans les manifestations pouvaient être enthousiastes. Et je pense en particulier aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui gardaient les enfants, voilà, pendant que d'autres allaient manifester. Et donc, elles étaient enthousiastes tout en étant dans la frustration totale de ne pas pouvoir aller dans les manifestations. Donc, la position de ceux qui participent de près, de loin, etc., de toute façon, ça laisse quelque chose de subjectivement impossible à effacer. Et c'est à l'intérieur de cette position subjective impossible à effacer qu'il y a effectivement revendication possible. Et donc, l'anniversaire, la commémoration, c'est un moment de revendication possible. Et ces revendications possibles, c'est évidemment des revendications qui vont retrouver les objectifs de la révolution. C'est-à-dire que si les politiques au pouvoir les ont oubliés, d'autres vont leur rappeler, soit parce que leurs familles ont participé, soit parce qu'eux-mêmes étaient en âge de participer, soit parce que quelque part ils ont lu, il y a énormément de choses qui ont été écrites et qui ont été dites, et donc il y a beaucoup de mémoire matérielle de l'événement révolutionnaire, alors il y a la possibilité de relancer. Et je dirais que l'épuisement d'une révolution, c'est quand on ne réussit plus à la relancer.
Et donc, je ne crois pas, de ce point de vue-là, que quelles que soient les limites actuelles du pouvoir, et elles sont grandes, le peuple tunisien ne soit pas dans cette capacité à relancer. Mais en même temps, l'inquiétude révolutionnaire, c'est toujours de voir rétrograder la révolution, voire de la voir être effacée. Alors, elle rétrograde quand ceux qui sont là pour défendre les objectifs de la révolution ne les défendent plus. Après, c'est ambigu, hein, ça a été rappelé. Une constitution comme il n'y en a jamais eu, des droits humains en Tunisie comme il n'y en a jamais eu, une loi contre les violences à l'égard des femmes et des filles, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien sur les femmes, c'est quand même un pays qui a toujours une tradition quand même, même du côté de ce qu'on n'aime pas en faveur des femmes. Mais là, c'est quelque chose qui est quand même inscrit. Il y a bien sûr le problème des héritages, qu'on n'a pas évoqué, mais il y a quand même quelque chose qui est en route, même si la question du travail, la question sociale est loin d'être résolue, voire à empirer. C'est-à-dire que le sentiment d'un certain nombre de gens, c'est que l'inquiétude et l'incertitude des rapports sociaux est plus forte. Et que par contre, on a obtenu des éléments d'une véritable révolution politique qui permettent de trouver des points d'appui. Mais maintenant, on est vraiment dans un moment politique, c'est-à-dire que la question, c'est la capacité à s'organiser pour pousser plus loin les objectifs de la révolution, sachant que de toute façon, elle n'est pas effaçable, que cette ouverture du temps enthousiasmant ne peut pas être complètement refermée, même dans les périodes de plus grandes lignes brisées de la révolution. Peut-être que c'est la première chose que j'aimerais dire, c'est que dans toute révolution, il y a ce mouvement, fusion, ligne brisée, éventuellement reprise de fusion, re-ligne brisée, et que toute la difficulté, parce que ça demande de l'ardeur une révolution, comme vous savez, c'est de retrouver l'ardeur, et que quand on n'y arrive plus, quand c'est vraiment cassé, alors à ce moment-là, effectivement, il y a de quoi être très inquiet, et c'est dans ces moments de cassure, effectivement, que le pire peut arriver. Donc, alors pour l'histoire française, je ne vais pas faire le développement, mais les cassures, c'est bien sûr, par exemple, celle de 48 qui mène à l'Empire, voilà, 1848, hein, qui est dans la mémoire. Toutes les révolutions du 19e, même si je n'aime vraiment pas François Furet, il a raison de les mettre dans la filiation de la Révolution française, elles sont toutes dans la mémoire de la Révolution française. Donc, l'événement, c'est la Révolution française. Et ensuite, ligne brisée et reprise 1830, 1848, 1871. Bon, aujourd'hui, 1871 a tendance à occulter la Révolution française, comme s'il n'y avait pas eu de questions sociales dans la période révolutionnaire, comme s'il n'y avait pas eu de Révolution française maximum, etc. Mais peu importe l'histoire française aujourd'hui, sinon qu'elle peut non pas donner des modèles, mais donner des lieux d'enquête pour pouvoir justement réfléchir, pour voir le passage des temps. Tout à l'heure, c'est Tarek qui a dit que certains étaient dogmatiques et avaient une définition très restrictive de la révolution. Je suis absolument d'accord. Je pense que ça a même été quelque chose de délétère au sein de l'intelligentsia tunisienne. Qu'à l'ENS en Tunisie, à un moment donné, l'idée que la révolution était un objet importé a fait beaucoup de mal. Et je pense qu'on peut utiliser l'idée d'une prise de la Bastille façon tunisienne ou d'une mémoire de la prise des Tuileries sans pour autant être aliéné à quelque chose qui s'appellerait le néocolonialisme. Toute la question est de savoir comment une révolution est un universel singulier et offre du coup des imaginaires sociaux qui peuvent être réinvestis sans pour autant être colonisateurs. Et je pense que de ce point de vue-là, eh bien, effectivement, peut-être que la ligne de crête est difficile à tenir, mais que je pense que quand les acteurs qui, pour certains, expliquaient que pour la première fois, ils étaient à la manifestation, parce que cette fois-là, ils voulaient être là, et qu'ils étaient kinésithérapeutes et qu'ils n'avaient pas de travail, qu'ils étaient ingénieurs et qu'ils n'avaient pas de travail, et qu'ils appelaient ça « c'est notre 14 juillet », je ne crois pas que ça soit néocolonial, je ne crois pas que ce soit inutile, même si, effectivement, on peut changer de référent. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit ce référent qui soit apparu avec la complexité des rapports d'acculturation qu'ont produit le colonialisme et qui ne sont pas à délaisser ou à abandonner en termes de questions qui sont des nœuds de notre histoire commune. Voilà, ce sont des nœuds. Mais l'histoire révolutionnaire,
peut être un commun. Peut-être je vais m'arrêter là, hein, parce que je suis bavarde. Merci beaucoup. Est-ce que parmi nos intervenants, quelqu'un veut enchaîner sur ce que Sophie et quelles idées ça a pu lui donner ? Hamadi, c'est une réponse, enfin, il y a une analyse là, au fond, qui est produite de ce que tu as dit, mais c'est aussi valable pour ta REC et pour Samia. Oui, donc juste pour dire quelque chose, donc il y a des risques de retourner vers la première étape. C'est la crise économique aussi, donc en Tunisie, donc qui reflète une crise sociale. Et le risque, c'est comment on combine entre deux choses, entre les besoins de vivre concernant les citoyens et les besoins en démocratie. Le risque, c'est d'arriver à un point pour ne pas, quelle que soit la nourriture ou la liberté. Et c'est une chose vraiment très, très, pour les citoyens et les gens ici en Tunisie, c'est une chose primordiale. Qu'est-ce que les autres, non? Non, vous pouvez répondre, je pense. Moi, je voudrais... Vas-y. Non, vas-y, Tarek, c'est mieux, je pense. Que vous... Je ne sais pas si c'est mieux, mais... le temps long n'est pas un temps humain. Donc, c'est peut-être un temps qui séduit, sur lequel on peut travailler intellectuellement, j'entends. Mais c'est long, le temps long, comme vous dites, il n'est pas humain. La première fracture, me semble-t-il, et je le dis d'une manière non innocente, de la Révolution française, c'est peut-être la restauration de l'esclavage par Napoléon. Et alors, ça a concerné beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, c'était quelque chose de catastrophique. Et je pense que par les temps qui courent et par les débats actuels, c'est important de ne pas l'oublier. Pour moi, la Tunisie, c'est un peu par rapport à ce que disait Ahmed. Au niveau politique, c'est la catastrophe. Moi, personnellement, j'ai fait partie d'un fameux mouvement dont on parle beaucoup, c'est le mouvement du 18 octobre, où il y a eu une alliance entre des forces progressistes et des islamistes. Ça s'est passé en 2005. Donc, l'objectif, ce n'est pas un secret, il y a eu 4 textes qui ont été publiés, traduits, en français, en anglais, donc... le contenu de ce texte, c'était des revendications démocratiques, mais qui n'ont abouti sur rien du tout. Par contre, on a beaucoup parlé, on a beaucoup fantasmé, mais on ne peut pas dire que ça a produit quelque chose qu'on peut vérifier historiquement. Je suis en train de dire que ce qu'on peut appeler comme alliance s'est cassé la gueule. Ça a été un marché de dupes et qu'actuellement, on a une double mâchoire. La première, c'est l'islam politique de Nahda avec ses alliés. Et la deuxième, c'est la restauration des banalistes avec le parti des Destoriens Libres, emmené par Madame Habir Mousse. Et les deux, de mon point de vue, n'augurent pas quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que les deux séparent. Les deux n'ont aucune solution aux revendications économiques des jeunes, au chômage, au modèle économique, à tout ce que vous voulez, à la lutte contre la corruption. Donc, ce sont les islamistes, ça fait 10 ans qu'ils gouvernent, mais ils ne gouvernent pas seuls, ils ont gouverné avec une partie donc, de ce qui est resté du Destour à travers le parti de l'ancien président Nida Tounes. Et donc,
Et l'autre partie, c'est la question des droits, c'est la question que ne veut pas du tout entendre Nard et ses alliés, c'est-à-dire l'égalité des droits, le droit des femmes, continuer ce qui a été fait en matière d'égalité successoriale, en matière de droits des homosexuels qui sont bafoués, emprisonnés en Tunisie. Quand on fume un joint, ça peut vous rapporter 30 ans de prison. Donc cette revendication, elle a été criée fortement lors des dernières mouvements sociaux qui étaient essentiellement des mouvements de jeunes. Je veux dire que si on n'additionne pas les droits économiques et les droits individuels, on s'en sortira pas. Et que le seul moyen de rassembler un maximum de gens qui ont un intérêt à continuer à retrouver donc l'enthousiasme de la révolution, c'est de s'arrêter entre ces deux camps, entre les partisans des droits individuels et les partisans des droits économiques, le jour où on comprendra qu'on doit absolument s'allier, on doit additionner, je pense qu'on pourra desserrer les taux des nouveaux benalistes et de l'islam politique de Nard. Et ça, ça nécessite des forces, des engagements qu'on n'a pas malheureusement à l'heure actuelle. La gauche classique, je crois qu'elle elle s'est effacée complètement du décor, elle est incapable. Elle a surfait malheureusement sur l'assassinat de nos deux amis, je parlais de Chokri Belaïch et de Brahmi, mais bon, voilà, elle a retrouvé son précaré complètement inefficace. Vous savez très bien, et on le vit aussi en France, oui, parce que j'ai le bonheur ou la difficulté d'être un binational. Donc j'ai deux hémisphères qui, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans les deux pays, il y a des difficultés aux forces progressistes de s'investir, de trouver les bonnes explications et surtout les bonnes formes d'organisation. Nard n'est pas forte par ses idées, elle est d'abord forte par sa capacité extraordinaire d'organisation. Donc qu'on n'arrive pas à égaler. Donc voilà, c'est un peu la situation malheureusement. En fait, on parle de 2000 arrestations de jeunes, et on n'arrive pas à réunir tout ça, à porter le flambeau. Toute la classe politique, toutes ces forces soi-disant modernistes, etc., je crois que c'est un fiasco, ils ne sont pas écoutés, ils n'arrivent pas à comprendre les difficultés dans lesquelles sont les jeunes. Et voilà, on est au milieu du gué. Alors, c'est peut-être pas une suggestion très subtile, mais je me demandais si on pourrait pas, et notamment pour les gens qui sont pas au fait de ce processus révolutionnaire tunisien, je me demandais si on pouvait pas, au fond, faire la liste des droits qui n'ont pas été acquis, puisqu'on aurait d'un côté une révolution politique et d'un autre côté une révolution sociale. Est-ce qu'on pourrait essayer d'identifier les promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'à présent par la révolution, et d'autre part, essayer de repérer notamment ce qui, du côté des droits, est possible ou serait possible du fait même d'un processus politique révolutionnaire qui irait à son terme. C'est une proposition, on n'est pas obligé de la retenir. Si tu permets, Yves. Donc, je pense qu'il est important de faire le bilan aussi par rapport à la révolution, parce que durant ces années, il y a des avancées réalisées. Ce sont des acquis énormes en matière de droits humains et droits des femmes, et que ces acquis réalisés grâce aussi à la détermination des femmes en Tunisie, si on regarde toutes les manifestations et les contestations sociales sont toujours accompagnées ou bien les femmes sont
en avant pour les revendications sociales. Et je me rappelle même de la grande manifestation en 2012 ou en 2013. Et c'est par rapport aussi à la force et la résistance de la jeunesse tunisienne. C'est grâce à la solidarité internationale, c'est grâce à toute la société civile qui a joué un rôle très important pour préserver les acquis et aussi continuer sa lutte pour les droits. Sauf que par rapport, si on regarde tout le contexte politique, il y a aussi un contexte de révolution. Car même les personnes qui sont au pouvoir, conservateurs et populistes, ont dû reculer par la crainte de la reproduction des mêmes scénarios qui existent dans d'autres pays, comme le cas de l'Égypte. Et donc, ils ont bien compris qu'il faut céder sur les droits humains et sur les droits des femmes, et qu'il faut... ils ont compris aussi qu'il y a un rejet de la part des femmes et des jeunesses, entre autres par rapport à leur regard sur les femmes et par rapport à leur vision ou bien le projet sociétal, surtout en ce qui concerne les droits et fondamentaux et les libertés individuelles. Et si je reviens sur les acquis, jusque-là, on a tout, presque les droits à part le droit au travail qui est qui existe dans la Constitution, dans les différents articles de la Constitution tunisienne. Il y a pas mal de lois qui ont été promulguées. La dernière, c'était la loi Hamadi, pourra aussi nous parler de ça. C'est grâce à cette révolution qu'on a eu aujourd'hui une loi sur l'USS. Il y a la loi 58 sur contre les violences à l'égard des femmes, mais c'est une loi qui est très importante. Il y a aussi la loi sur les discriminations, contre les discriminations salariales. Et le problème qu'avec toutes ces lois et tous les droits qui existent dans la constitution tunisienne, il n'y a pas une mise en application, il n'y a pas une protection des droits. Pardon ? Je ne sais pas, il y a un son, quelqu'un qui veut... Non, ça marche. Ouais. Et donc, c'est à ce niveau-là, il n'y a pas aussi une volonté politique pour la mise en application de ces lois. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont en train de gérer leur guerre politicienne sur le dos des Tunisiennes et des Tunisiens, au détriment de leurs revendications sociales et économiques, et qui ont été à l'origine de ce processus révolutionnaire qui les a amenés eux-mêmes au pouvoir. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont dans le leadership politique sont incapables et sont incompétents et laissent à côté les questions stratégiques et fondamentales et proposent même des projets qui sont contre les valeurs et les principes de la révolution, et ils n'ont pas de réponse concrète ou bien de mesures efficaces pour la promotion et la protection des droits. Par rapport même aux questions liées aux droits des femmes, on rappelle l'année dernière, lors de son discours, le président de la République, Qais Saïd, s'est prononcé contre l'égalité. Il a dit dans son discours qu'on n'a pas besoin de l'égalité dans l'héritage. Et ça, c'est une preuve de l'absence de ce courant populiste et conservateur qui est contre les droits et contre l'égalité. Après, sur le plan économique, la situation du pays est catastrophique. Donc, je pense que avec la pandémie qui a dévoilé cette situation et qui a rendu visible les vulnérabilités, elle a été aussi une preuve de la faillite des politiques de l'État, les politiques publiques par rapport aux services publics,
que ce soit l'éducation, le transport, la santé publique, par rapport aux désengagements de l'État dans son rôle social, par rapport à la protection sociale, par rapport à tous les niveaux en ce qui concerne les droits socio-économiques. Et ce qui explique les soulèvements ou bien les mouvements sociaux de la jeunesse, fin de 2020, début 2021, et qui a été avec toute l'utilisation de la violence contre la jeunesse, et puis toutes les arrestations, à peu près 2000 jeunes qui ont été arrêtés avec des procès rapides, des fois dans les 48 heures, et avec certains jeunes et adolescents, même des enfants qu'on ne connaît pas, qui sont maintenant dans les centres de rééducation et centres d'intégration sociale et qui ont été privés de l'école parce qu'ils sont considérés comme criminels. Aujourd'hui, ce n'est pas la pénalisation de la criminalité, mais c'est la pénalisation de la vulnérabilité. Et donc, voilà si j'ai bien répondu à la question, Yves. Donc, oui, je te remercie beaucoup. C'est un bilan que je trouve très éclairant. Est-ce que Jean-Marc, tu veux reprendre la main sur ces questions ? Il faudra que tu ouvres ton micro, alors, si tu interviens, Jean-Marc. Voilà. Oui, je disais que j'avais un peu envie de repartir à partir de ce que venait dire Samia sur la situation des jeunes et en particulier qui sont emprisonnés, des mineurs qui sont envoyés dans les centres de rééducation, d'internement, etc. Et puis Sophie qui nous avait rappelé que l'événement révolutionnaire, tant qu'on ne peut pas l'effacer, au fond, il travaille toujours dans la société. Et je pense que les manifestations qui ont eu lieu autour du 10e anniversaire, elles rappellent aux autres, à ceux qui n'étaient pas dans la rue, elles rappellent aux adultes, elles rappellent aux forces politiques, elles rappellent à l'étranger aussi, aux gens qui sont en France et ailleurs, que cette mémoire, elle existe, que l'événement, il n'est pas mort, et que voilà. Et alors, qu'est-ce que vous dites ? Moi, il me semble quand même que la première... l'un des points sur lesquels il faut s'appuyer, c'est évidemment leur libération. Moi, j'ai été frappé parce que quand il y a eu cet événement là-bas, finalement, il y a des copains tunisiens qui nous ont appelés, nous ont dit qu'il faut faire un appel international. Il y a eu un appel qui a demandé la libération de tous les jeunes emprisonnés et l'annulation de la dette. Voilà. Et ce qui m'a frappé dans cet appel, c'est il y avait une cinquantaine d'intellectuels d'Amérique latine qui ont signé. Enfin, je veux dire, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas seulement une affaire qui concerne les voisins, parce qu'après tout, il y a évidemment des copains du Irak qui ont signé, des Français, évidemment, des Italiens. Bon, enfin, on est voisins en même temps, quoi. Voilà, ce qui se passe là-bas nous concerne forcément, a fortiori quand on a deux nationalités comme ça, qu'on a un pied de chaque côté. Bon, mais ce qui était frappant, voilà, c'est ça, c'est que pour des gens au Brésil, pour des gens au Chili, ça veut dire quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et ça me paraît important parce qu'au fond, c'est la rue qui compte. Voilà. C'est la rue qui a provoqué les événements il y a 10 ans. Et aujourd'hui, la rue revient frapper. Et il y a des manifestations, il y a des appels, je sais, à Tunis, il y a eu des manifestations. Cette mobilisation, elle doit continuer. Il faut qu'elle arrive à obtenir la libération des gens. Voilà. C'est l'articulation entre la liberté et le social, entre les revendications économiques et les revendications politiques, elle se joue aujourd'hui dans le fait que les gens qui se réclament des promesses de la Révolution, est-ce qu'on a la force d'arriver à les faire sortir ? Or, bon,
Il m'a semblé que le président de la République était un peu gêné, non, Tunisie, mais c'est, vous suivez ça mieux que nous. Et est-ce que les forces politiques sont capables, les forces syndicales, de se mettre, de continuer le mouvement, d'accélérer, d'appuyer? Ça se joue sur des choses aussi concrètes que ça. Parce que si les gens, quand les gens se rappellent que l'événement révolutionnaire n'est pas épuisé et qu'ils sortent dans la rue, qu'ils prennent le risque, qu'ils en prennent quand même plein la figure, hein, entre nous choisis. Hein. Il faut quand même rappeler que les prisons et la police aujourd'hui, on a parlé beaucoup de révolution, mais c'est un endroit qui est le bastion de la contre-révolution, c'est la police. Enfin, il faut. Moi, je me rappelle, je vais terminer là-dessus, je vous laisserai la parole aux questions que je pose. En 2014, on a cassé quand même systématiquement tous les jeunes qui s'étaient mis en mouvement dans les gouvernements de Kasserine et de Sidi Bouzid, à Menzel Bouzayen, à Arkeb, à Tala. Il y avait des procès, on les a mis en procès tous les gens qui avaient fait ça, les jeunes. Et je me rappelle, il y avait un procès à Kasserine, et donc comme j'étais dans la région, je suis allé au procès. Et le procès a commencé le matin à 10h, à 11h30, le responsable des syndicats de police, on est en 2014, hein, le responsable des syndicats de police est dans la salle, il se lève, il prend la parole et il interrompt la séance. Et il dit, ça suffit, vous pouvez partir, après avoir menacé les avocats qui étaient venus de Tunis, avoir menacé les blogueurs qui étaient venus de Tunis, etc. Et la séance n'a jamais repris. On est en 2014, voilà. Et les policiers qui étaient dans l'enceinte et qui sont censés être sous l'autorité du président du tribunal, comme ailleurs dans le monde, n'ont rien dit, évidemment. L'affaire était close, salut. Voilà. Donc, il y a aussi, on paye en ce moment la question des forces contre-révolutionnaires, des institutions contre-révolutionnaires. On paye ça. Voilà, les syndicats de police sont encore plus arrogants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 6 ans. Il suffit de lire leurs déclarations. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a un enjeu qui se joue là. Il y a un enjeu. Est-ce qu'on peut desserrer l'étau ou pas? Bon, je n'ai pas plus à dire que ça. La contre-révolution, elle était au cœur de nos réflexions, même si elle est complexe. Et puis la question des diverses forces politiques, des dangers qui pèsent sur ce pays compte tenu de la déstabilisation, pour ne pas dire bien pire, des autres pays alentours, etc. Est-ce que Sophie voulait... Oui, je voulais juste... Dans cette question de... Enfin, il y a deux questions qui, moi, me paraissent importantes pour pouvoir intervenir. En tout cas, c'est le temps long n'est pas celui des êtres humains et la question de politique incompétente. Je dirais que les deux sont faux, je crois. Alors, je ne dis pas ça d'une manière... provocatrice. Hein. Je pense que c'est faux parce que le temps long est ce qui permet de maintenir justement la possibilité de produire le rapport de force, c'est-à-dire de considérer que il y a quelque chose qui va finir par arriver d'une manière irréversible et que tant qu'on n'a pas le sentiment de l'irréversibilité, ça vaut la peine de maintenir les choses. Et je dirais que ça, c'est du coup la question du chaînage générationnel, non pas le conflit de génération entre ceux qui sont aux manettes de l'État et ceux qui sont dans la rue et qui se font criminaliser, comme nous l'a expliqué Samia, comment on pénalise la vulnérabilité, mais je dirais à l'intérieur des familles et à l'intérieur des institutions civiles de transmission. Alors, les institutions civiles de transmission, c'est un peu vague, je suis désolée, c'est pas quelque chose que j'ai super théorisé, mais c'est tous les lieux où justement ces traces de la révolution peuvent se transmettre, que ça soit un roman, un poème, une émission de radio, une conversation familiale,
Et il y a dans la salle une jeune femme qui s'appelle Mélanie Henry et qui a fait sa thèse sur cette question du trésor perdu et comment il réapparaît. Et dans les personnes qu'elle a entretenues sur les révolutions, en l'occurrence en Égypte, en Tunisie, un père ne raconte son histoire de révolution des années 70 qu'à l'occasion des révolutions du printemps arabe. Et donc, pendant tout ce temps-là, il n'a pas transmis. Il a eu besoin d'un événement précis qui est le redémarrage révolutionnaire pour dire que lui aussi, il a participé à des révolutions. Alors, je dirais qu'il y a d'autres familles où on entretient quelque chose qui se transmet. Ce n'est pas nécessairement volontaire et involontaire. Hein. C'est quelque chose qui se fait. Et c'est pour ça que la question du caractère indélébile et du temps long n'est pas inhumain. Il est au contraire ce qui produit ce qu'il y a d'humain dans l'humain. C'est-à-dire le fait de ne pas être complètement réduit à son propre présent et donc avoir la possibilité de sortir de ce que Jérôme Bachet appelle la tyrannie du présent et donc de construire un futur qui peut être un futur utopique, qui peut être un futur fantasmé, qui peut être, etc., mais qui est celui qui permet au moins d'opérer cette activité de transmission. Et si cette activité de transmission, elle est forte et qu'elle produit un désir dans la société qui est diffus, alors la construction du rapport de force est plus aisée. Parce que l'opposition évoquée, je crois, par Djellali sur avoir la sécurité alimentaire ou avoir la liberté, quand ça rentre en conflit, eh bien, la sécurité alimentaire, c'est le présent. Mais c'est un présent crucial, hein, et aucun des révolutionnaires français radicaux ne néglige cette question-là. S'il n'y a pas de pain, à quoi bon être républicain ? Voilà, pour la Révolution française. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se joue, qui est crucial, et qui est au-delà de la question révolutionnaire tunisienne, qui est la question de toute l'époque. Et c'est pour ça que c'est important, il me semble, ce que dit Jean-Marc Salmon. C'est que si les intellectuels d'Amérique du Sud ont signé, c'est parce qu'il y a une question d'époque. Et dans cette époque, on est dans une politique de la survie. C'est-à-dire, ce qu'on impose aux gens, c'est la survie au lieu de la vie, au lieu de la vie bonne. Et donc, il y a quelque chose qui se joue sur on ne veut pas de ce présent de survie, on veut la vie au sens noble du terme, c'est-à-dire une vie qui est à la fois politique, culturelle, sociale, qui nous enrichit comme être humain. Et pas qui nous met en position de réclamer la simple survie, c'est-à-dire le fait de maintenir, comme les prolétaires, nos corps en état de fonctionner pour un appareil qui ne s'occupe pas de nous. Et du coup, c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils soient incompétents. Je pense qu'ils sont compétents, mais qu'ils ne visent pas la même politique, ce que vous nous avez dit en fait après, et qu'ils ont la compétence de produire une contre-révolution tranquille, au pouvoir, en étant élu, et qu'il n'y a même pas eu besoin d'un neuf thermidor, que ça se fait d'une manière beaucoup plus tuilée, et que effectivement, ça aussi, c'est le modèle de la contre-révolution contemporaine. On en sait quelque chose en France, on est en pleine contre-révolution contemporaine. Ce que Emmanuel Macron appelle la révolution, c'est une contre-révolution, mais systématique, sur tout ce qui concerne effectivement ce que vous avez appelé la vie économique et sociale, ou ce qu'on appelle l'État social, mais aussi des principes démocratiques de base. La loi sécurité globale, c'est la fin des principes démocratiques de base. J'ai appris il y a deux jours, ou hier soir, non, avant-hier soir, je crois, que c'est anecdotique apparemment, mais ça n'est pas anecdotique. Les commissions CNRS qui recrutent et qui évaluent la recherche en France étaient nommé pour un tiers et élu pour les deux tiers. Et ce qui est voulu par le gouvernement aujourd'hui, c'est que ce soit 50-50. 50-50 avec un arbitrage politique, ça veut dire que ça mène à ne plus avoir de liberté du côté de la recherche. Mais la fin des libertés publiques, la fin de la liberté de la recherche, c'est la fin de la démocratie. Et donc, c'est rétrogradé d'une manière extrême. Et je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas penser qu'ils sont incompétents. Ils ont une autre visée que de maintenir les idéaux de la Révolution, ce que vous avez dit juste après. Mais je pense que ce mot « incompétent » ne va pas. Parce que face à des incompétents, on voudrait mettre des compétents. Mais la question, c'est qu'il y a une lutte vraiment très violente entre ceux qui veulent aller vers les objectifs de la Révolution
Et seuls qui savent qu'ils ne peuvent pas dire explicitement nous ne voulons pas des objectifs de la révolution, et qui trahissent, comme disait Robespierre pour la période de 1792, constitutionnellement. Ils vous trahiront constitutionnellement, avec perfidie, avec constance et avec efficacité. Et donc, il y a quelque chose là, je crois, dont il faut prendre la mesure. Parce que si on ne prend pas la mesure de cette trahison, je dirais que la question, non pas du présent comme politique de la survie, mais de la dignité politique, de ne pas être avec des représentants politiques insupportables, ne réussit pas à se réveiller. Et que la question de la dignité était au cœur de la révolution tunisienne en 2010-2011. Et que je crois sincèrement que pour pouvoir s'organiser, il faut qu'il y ait à nouveau quelque chose qui flambe et qui s'appelle la dignité ou qui s'appelle autre chose, j'en sais rien. Mais il faut que ça flambe. Et donc l'idée de réclamer la libération des prisonniers, etc., c'est des luttes constantes, il faut le faire. Mais je pense qu'on ne peut pas en décider, mais qu'il y a quelque chose là où il y a un moment où, quand on fait du feu, avec des objets qui ne sont pas nécessairement tout de suite faciles à enflammer parce qu'on n'a pas d'allumettes, c'est un moment de focale avec le soleil. Et donc, c'est ça, la quête. C'est la quête de la bonne focale. Et cette focale, il faut la prendre au sérieux. Parce que dans une certaine mesure, parfois, elle arrive, comme avec l'affaire de l'immolation. Mais d'autres immolations ne produisent pas ça. Donc, il y a d'autres choses qui ont eu lieu en même temps. Et je crois que certains ont dit que la question n'avait pas tant été celle de l'immolation que la manipulation sur le lit d'hôpital par Ben Ali de cette immolation. Et que c'est ça qui avait donné un sentiment d'indignité très fort. C'est que non seulement ce jeune homme était mourant, mais qu'en plus, il pouvait encore servir à la propagande gouvernementale et que ça, c'était insupportable. Il y avait le sentiment d'une perte de dignité humaine. Et donc, il y a quelque chose qui se joue là, dans la quête d'une focale. Après, pour que ça reflambe. Mais après, c'est de la politique. Et on est dans une situation où, à l'échelle monde, le néolibéralisme a produit l'absentement de la politique. Et je ne crois pas que la Tunisie soit à l'abri de ça. Cet absentement, il est construit et il est très difficile à contrer. Et donc, pour le moment, il n'y a aucun pays concerné qui ne réussit à le contrer, à commencer par la France. On n'arrive pas à le contrer, c'est-à-dire qu'on est là à discuter s'il faudra élire ou pas, face au Front National, à nouveau Macron. Donc, on sait très bien qu'on n'arrive pas à le contrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais ça veut dire qu'il faut élargir, pour le coup. Il faut rétrécir la focale et trouver le bon endroit pour la Tunisie en tant que telle. Et il faut élargir la focale à l'échelle effectivement internationale, parce que la globalisation, la politique de la survie, le néolibéralisme, ça concerne l'ensemble du monde. Peut-être qu'on y voit clair et que ça répond à une question de Hamadi. Hamadi était plutôt parti sur l'idée d'un, pas forcément d'un conflit de génération, mais d'une dissociation entre deux générations, à travers notamment le concept que vous avez introduit d'institution civile de la transmission. Là, on a un retournement complet de perspective, c'est-à-dire que ce qui apparaît à travers l'ensemble de ce qui est dit, et notamment de ce que vous dites, qui sont dans la rue et qui sont, pour certains, dont 2000 d'entre eux sont en prison et en centre de rééducation aujourd'hui, ce qui doit faire réfléchir les travailleurs sociaux à la question de la rééducation à ces fins-là, eh bien, ce sont bien des héritiers de la révolution. Donc, on a une révolution qui se... Bon, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? On a une révolution qui se poursuit et qui a pris cette forme-là en début d'année. Et puis, on a des forces contre-révolutionnaires qui sont présentes au pouvoir. Et donc, il n'y aurait plus lieu non plus d'opposer révolution sociale et politique, mais on aurait plutôt une révolution politique qui ne va pas suffisamment loin puisqu'il y a des droits qui existent mais qui ne sont pas appliqués, une révolution sociale qui bloque sur des avancées politiques qui n'ont pas lieu, bon, et donc finalement une machine révolutionnaire qui devrait repartir. Donc on est plus là dans la question des blocages au cœur de l'État, à côté, tout autour. Mais peut-être que Hamadi, tu peux reprendre la parole sur
cette peur très forte que tu as justement, alors non pas d'un arrêt, je ne sais plus quel mot Sophie vous a employé, mais même d'un anéantissement. Enfin, il me semble que tu avais évoqué avec moi la crainte très forte d'une victoire de la contre-révolution. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, oui. Ici, j'ai parlé sur une déconnexion entre deux générations, mais ce n'est pas que deux générations à côté de l'âge, mais aussi de mentalité. Donc, Ben Ali nous a laissé une mentalité, c'est d'avoir l'État comme un héritage et des positionnements aux côtés de pouvoir. Donc, il y a le pouvoir et il y aura toute la Tunisie. Donc, il y a une grande bataille pour arriver à avoir, pour arriver au pouvoir, quelles que soient les pistes. Et ici, c'est ce conflit-là, on le trouve, qui n'a aucune relation avec vraiment les demandes et les besoins de peuple tunisien. Donc, on a gagné des choses. Parfois, on gagne des pas en avant. Et d'autres fois, donc, on recule des pas en arrière. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on veut vraiment de la nouvelle Tunisie? Est-ce que vraiment on a fait un changement politique? C'est vrai qu'on a fait une constitution. Maintenant, on utilise l'élection pour arriver au pouvoir, mais comment on arrive au pouvoir avec les élections? Donc la corruption est partout, hein. Donc au lieu d'avoir une famille, donc maintenant c'est la démocratisation de la corruption en Tunisie, comme a dit Jean-Marc. C'est partout. D'autres questions qui se posent aussi. Donc, on trouve des jeunes révolutionnaires maintenant qui travaillent des policiers contre des jeunes révolutionnaires qui se manifestent. Donc, ils portent les deux. Ils ont participé à la révolution, les deux. Ils ont porté les valeurs de la révolution, mais maintenant ils sont contre. Et comme j'ai dit dès le début, donc l'absence des solutions remonte la violence. Mais qui contre qui? C'est le peuple contre le peuple. Et il y a les vrais joueurs qui sont maintenant dans le pouvoir, dans les partis politiques, dans les baleines de l'économie. Ok, je pense qu'on a évoqué pas mal de questions qu'on voulait traiter aujourd'hui. Il y a la question de... Bon, alors on est... Je ne sais pas, si quelqu'un veut synthétiser à ma place tout ce qui est en train de dire, il est le bienvenu. Je pense notamment à Anne peut-être ou à Eric Soriano qui nous a rejoint et qui travaille là en ce moment... dans le cadre de son HDR sur la Tunisie, même s'il n'était pas là au début. Oui, je vous en prie, Sophie. Juste, Yves, c'est Samia d'ajouter un point, donc, si tu permets. Donc, je pense qu'on a parlé de la sécurité alimentaire et qu'on se trouve dans cette situation entre liberté et entre aussi la sécurité alimentaire, et c'est lié à toute la condition de vie d'une personne. J'estime que les revendications des Tunisiens, pas seulement à la sécurité alimentaire, c'est aussi par rapport à la liberté. Et c'est très important cet élément, parce que même ceux qui partent en Europe, contrairement à l'image véhiculée et l'idée véhiculée que ces gens-là partent parce qu'ils cherchent des conditions qui sont beaucoup plus aisées ou bien qu'ils cherchent des emplois, des fois il y a des jeunes qui ont
qui sont issus des familles aisées et qui ont toutes les possibilités d'avoir un emploi, mais qui partent en Europe parce qu'il y a plus de respect des droits et des libertés individuelles. Donc c'est un élément très important. La révolution tunisienne s'est déclenchée en levant des slogans liés à la justice sociale, à l'égalité, à la liberté, à la dignité. Donc c'est ça, c'était notre, la force de cette jeunesse et de cette révolution tunisienne. Donc ça, c'est pour, par rapport à ce point. Autre chose que j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup aimé ce que Sophie a évoqué par rapport à la leadership incompétente. Donc, et je réfléchis vraiment là à haute voix, je pense que c'est vrai qu'il y a un processus contre-révolutionnaire et c'est le cas de la Tunisie et c'est tout à fait normal dans toutes les révolutions que le monde a connues, donc, parce qu'il y a d'autres orientations politiques et socio-économiques et c'est les capitalistes qui sont dans la défense et dans la défense de leur opportunité, de leur vision politique. Après, en regardant la scène politique tunisienne, je pense qu'il y a aussi des personnes, une leadership incompétente qui est au pouvoir. Si je regarde le Parlement tunisien et je vois des personnes qui sont de la contrebande élues, donc je ne peux pas dire que ce sont des personnes compétentes. Mais peut-être dire que derrière des personnes, il y a des personnes, il y a d'autres qui sont compétentes et qui savent manipuler la situation politique et qui savent mettre, comment mettre ces personnes-là au pouvoir, peut-être oui. Mais l'incompétence, aujourd'hui, est présente dans la leadership politique tunisienne au niveau du discours, au niveau des choix politiques, au niveau des orientations économiques. Elle est présente et elle est frappante. Merci. Est-ce que je pourrais... Je vous en prie, allez-y. Merci. C'est par rapport au... Moi, je pense que les contre-révolutionnaires, les méchants, ne sont pas seulement dans le pouvoir. Et c'est ça qui me... Personnellement, qui me... Comment dirais-je ? Qui me stresse plus que... qu'il ne le faudrait. Ils sont bien sûr dans le pouvoir, mais ils sont dans l'opposition. C'est les néo-bénalistes, c'est ce parti qui, Habir Moussi, qui est donné gagnant, qui a dépassé Ennahda. Donc, c'est ça la difficulté de la situation tunisienne. Il y a d'une part des thermidoriens, des réactionnaires, des gens qui voudraient bien rétablir Ben Ali, parce que c'était mieux avant, qu'on avait la sécurité, et nanana. Et puis, il y a donc une grande partie des gens qui sont au pouvoir depuis 10 ans. Donc, c'est cette alliance d'Ennahda avec d'autres forces qui, dans leur pratique, concrètement, remettent en cause, ne veulent pas aller de l'avant, ne veulent pas de la dignité, au contraire, ils veulent l'ordre ancien, ils veulent l'argent, ils veulent le trafic, l'enrichissement personnel, le libéralisme, l'incapacité extraordinaire à mettre en place des plans de développement économique. Il y a un truc, par exemple, que pour moi, une des clés de la situation en Tunisie, c'est qu'il faut arrêter de voir que Tunis. C'est que maintenant, il y a un processus de décentralisation fortement engagé qui a permis la première fois depuis Hannibal d'avoir des élections municipales libres, mais on s'est arrêté au milieu du gué. La loi prévoyait des élections régionales qui n'ont pas eu lieu, qu'on retarde. Personne n'en parle, alors que pour moi, la décentralisation, donc voilà, je suis un jacobin reconverti, je pense que la décentralisation peut être une clé
extraordinaire pour ces jeunes qui se bougent, qui militent, qui font beaucoup d'actions dans les 24 gouvernorats, la décentralisation, les élections régionales peuvent leur apporter une ouverture politique dans la mesure où il y aura 24 listes donc, dans les 24 gouvernorats, dans la mesure où, les élections régionales vont parler de développement économique, d'un point de vue, je dirais, régional. Je suis absolument convaincu que ça peut être un cadre où ces jeunes peuvent s'épanouir, peuvent développer et avancer leurs revendications. Et ce que je trouve sidérant, c'est qu'aucun parti politique digne de ce nom, je veux dire, les gens qui au monde, qui sont dans la machine, n'en parlent. Voilà. Oui, je voulais dire que dans le contexte tunisien actuel, ce qui se pose, c'est la difficulté à transformer l'organisme de la société par une simple transformation de l'organisation des lois et des institutions. C'est-à-dire que, en fait, quand on écoute en particulier le bilan qu'a fait Samia, on voit qu'il est extrêmement honorable, en fait. C'est même le bilan le plus satisfaisant des révolutions du printemps arabe. Et donc, il y a quelque chose où, pour autant, le sentiment que ça donne, c'est que ça reste lettre morte. Et ce sentiment, c'est celui aussi des révolutionnaires français en 1794, avant le 9 Thermidor, où le sentiment, c'est que la révolution n'a plus d'ardeur et que les lois ne suffisent pas à produire une autre société. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a tout le projet des révolutionnaires français, qu'ils appellent justement le projet d'institution civile, qui est un projet où il faut refaire des noyaux sociaux qui vont être porteurs d'un nouvel élan politique. C'est-à-dire que c'est par la société qu'on va transformer l'organisme. Je dis ça parce que dans la marge, je crois que c'est Yves Lacascade qui a évoqué la notion de pratico-inerte de Sartre pour parler du religieux. Je ne sais pas si le religieux aujourd'hui, c'est du pratico-inerte. Je crois que malheureusement, c'est aussi de l'effectivité pas du tout inerte, inventive, qui fabrique des tas de machins bizarres. Et donc, ce n'est pas que des choses posées là et qui joueraient sous le mode de l'inertie. C'est aussi du serment actif. Mais à supposer que l'organisme social soit toujours pris par son pratico-inerte, la question, c'est comment on transforme l'organisme. Et de ce point de vue-là, mettre en œuvre les lois, c'est en tant que tel transformer l'organisme. Donc, les lois qui ne sont pas effectives, c'est un lieu du politique par excellence. C'est-à-dire, une fois qu'il y a des lois, dans le vocabulaire des révolutionnaires français, il faut faire parler les lois. Et pour faire parler les lois, il faut les revendiquer dans des situations concrètes et faire en sorte qu'elles soient défendues sur un mode concret. Alors évidemment, il y a les institutions contre-révolutionnaires, quand vous évoquiez les uns et les autres, quand je crois que c'est Jean-Marc qui évoquait la police, le fait que, que tous ceux qui visent la contre-révolution. Mais il y a aussi la capacité à créer ces institutions. Alors effectivement, peut-être que les élections régionales peuvent être cette occasion. Mais ça, c'est quelque chose d'une auto-institution de la société. Et cette auto-institution, elle ne se décide pas de l'extérieur, mais elle peut être un peu activée. On peut y avoir des propositions, elles prennent ou elles ne prennent pas. Mais c'est là où il y a la question de la focale et de l'ardeur, où ça arrive et ça arrive par nous. Ce n'est pas que du pratico-inerte, c'est aussi de la décision, de la responsabilité, des positions, etc. Après, défaillance des structures de gauche à l'échelle internationale, oui, je crois que c'est indéniable aujourd'hui et qu'on est là à devoir nous aussi prendre notre part et prendre notre part pour essayer de proposer d'autres modèles du politique. D'autres modèles du politique qui, justement, reposeraient plus sur l'articulation de ce jacobinisme évoqué par Tarek, c'est-à-dire une centralité législative, c'est-à-dire qu'une loi, elle soit quand même gagnée pour tous quand elle est progressiste, quand elle permet d'avancer vers plus de liberté, plus d'égalité, mais aussi en lien avec la dissémination des institutions civiles, des institutions politiques, en tant qu'elles sont le lieu qui active la possibilité que la loi ne reste pas lettre morte. Et ça, c'est la question des révolutionnaires à la veille du 9 Thermidor, c'est-à-dire entre
entre le printemps 1794 et le 26 juillet. Donc il y a quelque chose qui est crucial à cet endroit-là et qui est le moment des plus grands dangers. Soit la société réussit à se réinventer sur ce mode-là, comme elle l'avait fait juste après janvier-février, hein, ou pendant janvier-février. Soit elle n'y croit plus, et c'est là où on est dans la ligne brisée qui n'a plus d'utopie. Alors, il se trouve que Hammadi, quand il décrit, sur la religion, il y a des questions qui sont apparues, une question qui est apparue dans le chat, peut-être qu'elle a été traitée, je ne sais pas, mais il y a une question autour de l'ESS aussi, enfin qui m'était adressée à moi, de l'économie sociale et solidaire. Alors, il se trouve que Hammadi, sur le terrain, a développé une coopérative d'activité et d'emploi pour des jeunes diplômés. Et on peut penser qu'on est très loin comme ça, vu de Paris ou de Marseille, de la Révolution. En fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire, la question, c'est, et on est peut-être du côté des sociétés civiles. Et d'ailleurs, j'ai envoyé à mes collègues de la coopération un extrait de l'une de vos interventions sur YouTube, où je leur disais, mais en fait, si on en croit Sophie Vaniche, les coopératives d'activité et d'emploi sont révolutionnaires, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elles contribuent à créer sur le terrain les sociétés civiles que vous appelez, enfin, à vivre autrement, penser autrement, travailler autrement. Alors, peut-être si on lance Hammadi là-dessus, il risque de parler très longtemps, plus que moi. La question. Un tatou là. Du bruit. Voilà. Hammadi, peux-tu évoquer les difficultés que tu rencontres ou pas sur le terrain? C'est-à-dire, toi, dans l'hypothèse où toi-même, tu fais vivre la révolution, l'esprit de la révolution, la réalité de la révolution à travers ta démarche. À quelles difficultés tu es rencontré et peut-être aussi quand même dire un peu quel lien tu fais entre ces CAE, ces nouvelles manières d'envisager le travail et la révolution. Oui, s'il n'y a pas de solution, il faut le crier. Et nous, à partir de notre expérience avec nos amis, donc l'IMF, la manufacture coopérative et l'ECOSI, tout ça, on a développé une coopérative d'activité d'emploi inspirée du modèle français, mais on est en train de trouver notre modèle tunisien selon les lois tunisiennes et selon le contexte et les enjeux tunisiens. C'est vrai, donc notre objectif aussi, c'est pour arriver à une vraie révolution, à une vraie demande de la révolution, c'est de changer le modèle économique. Donc, et on commence par l'échelle micro. Nous, on a trouvé une solution pour changer à l'échelle micro. Parce que même concernant la nouvelle loi de l'économie sociale et solidaire, c'est une révolution aussi. Donc, ce sont les impacts vraiment concrets de la révolution, de trouver une loi de l'économie sociale et solidaire qui peut créer tout un secteur, troisième secteur de l'économie sociale et solidaire, donc à côté du secteur public et du secteur privé. Donc, ça peut contribuer à changer le modèle économique qui donne des aspects sociaux et qui ne nous laisse pas, donc c'est qui nous bloque à créer et développer donc des initiatives. Maintenant, toute la société civile en Tunisie, donc, elle essaie de contribuer à avoir et trouver des solutions et des solutions, quelles que soient classiques ou innovantes, mais toujours il y a un blocage, ce modèle économique. Donc, ce modèle économique, comment je peux dire les choses, donc, géré par un modèle libéral. Donc, on ne peut pas dire une révolution si on garde les mêmes outils, les mêmes enjeux, les mêmes lois. Avec ces lois-là, on ne peut pas avancer. Il faut changer, il faut développer. Maintenant, la jeunesse tunisienne, donc c'est quand j'ai dit que
il y a une déconnexion, vraiment, il y a une déconnexion. Donc, les jeunes Tunisiens, donc, ils ont des capacités et des compétences énormes. Ils peuvent changer, ils peuvent développer, mais ils attendent la possibilité de faire les choses comme ils veulent. On a des réussites, on a des expériences vraiment très, très... Madi, je te coupe, mais tu peux notamment raconter juste en une minute ce que vous avez mis en place contre le Covid et l'hôpital que vous avez développé à Ras Jebel à partir de rien, à partir de votre propre initiative. Oui, donc à Ras Jebel, on a construit tout un hôpital, on dit, tout un hôpital bien équipé. Et c'est avec la participation des citoyens, quel que soit de Ras Jebel, dans notre ville, ou qui vit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, on a contribué, tout le monde a contribué, quel que soit, avec de l'argent, avec ses propres mains. Donc, tout le monde, ils ont participé. Et on a construit cet hôpital-là dans 49 jours et dans un confinement total. C'est une expérience vraiment, donc, c'est une expérience très, très, très importante qui a retourné le concept ou la valeur de solidarité entre les peuples. Donc, ce peuple-là qui a fait tous ces trucs-là, qui a fait une révolution, donc, je n'ai pas trouvé le mot, mais il faut le donner une autre vie. Et c'est vrai, donc on peut faire des analyses et des diagnostics sur la révolution tunisienne, mais qui sont avec le terme sentiment. Je peux. Oui, Elisabeth. Alors, je propose qu'on ouvre un peu la parole maintenant, si vous en êtes d'accord, oui. Aux gens qui sont là. Et sans peut-être que ça nous entraîne beaucoup au-delà de 7h15, mais voilà. J'aimerais intervenir à la suite de ce que Hamadi vient de dire. C'est-à-dire que je pense que la révolution tunisienne, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe aussi aujourd'hui en France dans une moindre mesure, rejoint ce que Hamadi vient d'essayer de dire. C'est-à-dire que si on continue d'évoluer dans un système économique qui est celui du néolibéralisme et du capitalisme, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, ça paraît être un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais je pense que des initiatives comme celle qui vient de révéler cette capacité qu'ont eu tous les jeunes et moins jeunes de Bizerte pour construire leur hôpital. Il y a d'autres exemples comme ça ailleurs aussi dans le monde, contribuent à une révolution. Ce serait, je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'à une révolution mondiale qui fasse qu'on change de système. Et que la vraie révolution, ce serait de substituer un système économique issu de l'économie sociale et solidaire à celui du capitalisme qui nous étouffe et qui étouffe aujourd'hui le monde entier et qui, c'est pour ça qu'on traverse des révolutions, qu'il y a des pays qui en souffrent plus que d'autres, comme la Tunisie, comme l'Algérie ou comme l'Afrique. Et donc, je pense qu'il faut, à travers ces discussions qu'on a à propos de la révolution tunisienne, il faut aussi qu'un jour, on parle aussi de ça de façon un petit peu plus élargie. Voilà, c'est ce qu'Amadi a dit qui m'a inspiré cette intervention. Moi, j'aurais volontiers une question pour tous les intervenants. J'ai été très frappée par le fait que dans les forces révolutionnaires, justement, soit pointé le rôle absolument fondamental de la jeunesse. De la jeunesse qui se réapproprie toute une vie publique, dans la rue, mais aussi dans les réseaux sociaux, comme on l'a perçu à plusieurs reprises. Donc, un droit à la parole publique. Et donc, je me demande
Bon, ça, c'est quand même une situation qui est relativement inédite dans un processus révolutionnaire que de concevoir justement cette, non pas en termes de lutte de classe ou en termes, je dirais, de rapport de force strictement politique, mais aussi en termes de tension entre générations. Et ma question, parce que je ne connais pas du tout la situation tunisienne, c'est qu'est-ce, dans cette jeunesse, est-ce qu'il y a différents courants, différentes polarités qui font qu'il y a une véritable dynamique collective, je dirais des réappropriations, effectivement des héritages révolutionnaires qui sont effectivement un bien commun de l'humanité. Et est-ce qu'il y a aussi des tensions? Est-ce qu'on peut repérer des courants dominants de la jeunesse? Ou est-ce qu'il y a véritablement une convergence de tout ce qui constitue la jeunesse d'un pays qui est extrêmement diversifié? Donc voilà, c'est un peu la question que je me pose après vous avoir tous écouté. Je vous laisse répondre. Donc, une majorité de jeunesse qui refuse à être occupée. Donc, une jeunesse qui veut être libre et qui veut faire les choses comme il voit. Mais il faut aussi étudier cette jeunesse-là. L'aspect politique, c'est vrai, si on voit quelque chose, donc peut-être nous, on peut analyser, faire un diagnostic. Mais réellement, pour ces jeunes-là, ils ne connaissent pas ces courants politiques et tout ça. Mais parfois, ils l'utilisent. Parfois, ils font des slogans. Mais inconsciemment. Est-ce que Jean-Marc ou Tarek ou Samia? Jean-Marc, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà, c'est fait. La question... La question de l'ardeur, la question de la focale, la question... Il y a un problème qu'on a évoqué jusqu'à présent sans... Tarek l'a évoqué au début et puis on n'y est pas beaucoup revenu, c'est quand même la distance entre Tunis et les quartiers populaires et les régions de l'intérieur. Hein, on n'y est pas revenu et il me semble qu'il y a dans le processus constituant, puis dans le processus politique qui a suivi, il y a eu un mouvement dans lequel quand même un soulèvement qui est parti, non pas de la capitale, mais qui est parti des régions les plus éloignées et qui après a été répercuté et a pris dans les quartiers populaires, dans les cités périphériques autour des grandes villes. Et que progressivement, Tunis, qui est la ville du Marsin, elle a récupéré le pouvoir. Et et ce qui me sidère, c'est cette volonté dans le système politique de contrôler les choses et d'établir sa prééminence. Parce que Tarek tout à l'heure posait le problème des élections locales. Évidemment, c'est une question frappante. Les élections municipales ont eu lieu seulement en 2018. Alors, dans l'histoire politique de la Révolution, il y a eu plein de groupes, en tout cas dans les régions qui sont les plus agitées, comme celle de Kasserine et Sidi Bouzid, il y a plein de réseaux militants qui s'étaient en mouvement, il y a plein de gens qui s'étaient connus, il y a une élite qui cherchait à sortir.
Et s'il y avait eu des élections municipales 6 mois ou 1 an ou 2 ans après, s'il y avait eu un espace d'expression politique, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais quand on va sur place, ce qu'on voit, c'est quand même l'énorme distance par rapport à Tunis. Tunis va payer le prix tôt ou tard. Le Tunis, j'entends par le système politique, par les institutions. Hein, la distance est abyssale. Hein, je veux dire, à sa façon, Djelgeli cherche à le dire depuis tout à l'heure. Il dit que les choses sont complètement déconnectées. Et c'est pour ça que la question, j'y reviens, c'est pour ça que le fait que le souvenir de la Révolution ne puisse pas être effacé, le fait que les gens, à l'occasion du 10e anniversaire, soient sortis dans les rues en rappelant les promesses qui n'étaient pas tenues, c'est quelque chose de très important. À la fois, Sophia a bien insisté là-dessus, et en même temps, il est important par les questions qu'il pose aux autres, et en particulier à Tunis. Vous allez répondre à un moment donné, vous allez faire quelque chose, vous allez dire quelque chose. Il y a une question à un moment donné, de rétablir des connexions, ne serait-ce que pour des minorités politiques. Mais il me semble que c'est quelque chose d'important. La question doit avoir une réponse. Ils ont posé des questions, les gens, en allant dans la rue, là. Ok, là, moi, je laisse le débat se dérouler avec des prises de parole de qui le souhaite, y compris dans la salle. Hein. Vous avez eu la patience de nous écouter très longtemps. Eric, tu veux dire un mot, Eric Soriano, ou pas ? Alors, si personne dit un mot, je vais dire un mot. En même temps, j'ai trouvé que tout ce que racontait Djelgeli, j'étais assez admiratif parce que dans les régions que je connais, Tunisie, évidemment, j'ai vaguement entendu parler des gens qui voulaient faire de coopératives, mais jamais personne n'en a fait. Et il me semble que dans la situation économique où est le pays, qui est absolument difficile, et vu le taux de chômage qu'a chez les jeunes, etc., et chez les diplômés, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de potentiel. Et peut-être que ce qui se fait à Ras Jebel, ce qui est en train de se faire là-bas, peut-être que ça peut aussi aider à ce qu'il y ait de la... comment on va dire, du micro-social qui commence un peu à s'exprimer, à se connecter. Peut-être qu'il faudrait aussi que ce soit plus connu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences justement de coopératives qui fonctionnent, me semble-t-il. Là, je parle sous le contrôle évidemment des gens qui vivent en Tunisie. Hein. Il me semble que là, il y a quelque chose qui pourrait être creusé. Bon, Yves, tu m'entends ou... Oui, tu peux y aller. Oui, moi j'avoue que je suis vraiment un peu mal à l'aise dans ce débat parce que j'ai l'impression que on est un peu dans l'idéologie de la révolution, c'est-à-dire on parle de la révolution comme si c'était quelque chose de très défini, de très clair, de très très simple, que tout le monde comprenait et que ça posait aucun problème. Je pense qu'il y a une idéologie de la révolution qui peut-être se substituer. Tant qu'on n'a pas défini ce qu'on entend par révolution, j'ai l'impression qu'on a des discours qui restent un peu creux parce que il y a 10 000 formes de révolution. Il y a la révolution culturelle, il y a la révolution politique, il y a la révolution sexuelle, il y a la révolution idéologique, et peut-être même il y a des révolutions religieuses. Peut-être que du côté des islamistes, ils considèrent qu'ils sont des révolutionnaires, eux aussi.
et que donc il y a d'un côté la révolution comme phénomène objectif et qu'il faudrait définir, et il y a différentes théories, par exemple les théories marxistes disent que il n'y a pas de révolution s'il n'y a pas de révolution économique, et qu'une révolution politique sans révolution économique, ça n'est pas une véritable révolution. Moi, je pense par exemple qu'en 1968, on avait un projet clair qui était quand même l'instauration d'une société socialiste et pour aller vers le communisme. Il y avait donc un projet social qui était à l'œuvre, et par rapport à ce projet social, on pouvait juger les initiatives. Et puis, non seulement, c'est-à-dire que pour moi, le concept de révolution, je regrette, c'est pas vraiment un concept, c'est une notion assez plus sur laquelle on projette beaucoup de fantasmes. Alors peut-être, Jean-Louis, Sophie va répondre et on va enchaîner. Il y a Pierre-Alain Cardona, il y a peut-être Éric Soriano, il y a aussi Henri Saint-Jean. Et je vais pas vous retenir, on ne va pas vous retenir beaucoup plus de... Enfin, voilà, si on va jusqu'à 7h15, 7h20. Enfin, après, moi, je pars et puis... Je pense pas qu'il y ait de... comment dire, de concept qui soit meilleur qu'un autre, mais il y a des situations empiriques révolutionnaires dont les acteurs eux-mêmes se disent révolutionnaires. Et donc, je pense qu'on ne peut saisir ce que c'est qu'une révolution qu'au regard de ce que les acteurs estiment être révolutionnaire. Alors, pour certains, il n'y a pas de véritable révolution tant qu'on n'a pas l'égalité homme-femme. Pour d'autres, c'est quand il n'y a pas de révolution économique. Pour d'autres, c'est encore autre chose. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de saisir que dans le chaînage de ce que produit une révolution, c'est la possibilité qu'il y ait une formation discursive qui propose une alternative à une situation qu'on estime plus acceptable. Que normativement, l'ensemble de la société estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que ça change. Donc ça, il y a une formation discursive, filmique, ce qu'on peut appeler une formation idéologique, c'est-à-dire toutes sortes de circulations pour dire cette chose-là, on n'en veut plus. Et on aimerait une société qui aura telle caractéristique. À partir du moment où il y a cette formation idéologique qui est hégémonique, si on reprend le vocabulaire de Gramsci, alors il y a en général des formations sociales qui s'y associent, qui sont irriguées par ça. Et quand il y a une formation sociale qui est suffisamment dense, à ce moment-là, il peut y avoir des formations politiques qui permettent de rendre l'événement dense. C'est-à-dire que s'il n'y a pas tout ce qui se passe en amont et tout ce qui se passe de manière conjointe, il n'y a pas d'événement dense en termes de densité. Et du coup, la rupture est fragile. Et ce qui est le propre d'une révolution, c'est qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui transforme la situation historique d'une manière irréversible. Et c'est pour ça que l'angoisse révolutionnaire, c'est que ce soit réversible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de révolution. Voilà. Et donc, il me semble que sur cette phénoménologie-là et sur l'observation de différentes révolutions, y compris les contre-révolutions, il y a quelque chose de possible à saisir empiriquement. Voilà. Du côté certains de mes maîtres philosophes, il n'y a pas de révolution du côté de la contre-révolution. Ils ne veulent pas qu'on utilise le même terme, parce que pour eux, il n'y a révolution que quand il y a émancipation. Et ça engage effectivement à penser qu'est-ce que c'est que l'émancipation. Voilà. Donc, plus de liberté, effectivement, pour les individus et pour les collectifs. Mais je crois que c'est de ça dont on parle. Et donc, il peut y avoir quand même une révolution, même s'il n'y a pas eu de transformation économique radicale. Par contre, l'absence de transformation économique radicale, c'est une entrave réelle à la possibilité de l'effectivité de la révolution politique. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, en tout cas, c'était l'hypothèse de cette soirée, hein, que ce terme avait un sens et qu'on pouvait aussi lui donner un sens en s'appuyant sur une comparaison historique. Alors, peut-être d'autres interventions pour les CAE, je ne sais pas. Éric Soriano, Pierre-Alain Cardona. Oui. Pas mal de gens sollicitent. Alors, pas trop loin, Pierre-Alain. Ouais, je voulais intervenir, partager aussi une expérience, parce que j'ai été en Tunisie l'année dernière dans le cadre de ma formation à l'IMF, et donc j'ai travaillé aussi sur la question des CAE, notamment avec Amadi, que je salue, et j'ai été très marqué, notamment quand il évoquait son expérience, justement, sur le fait qu'il se considérait comme révolutionnaire, ayant participé à cette révolution de 2011. Et j'aime
enfin, vraiment, je te remercie, Yves, d'avoir suscité cette relation-là, justement, entre les révolutions, parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Ça a été dit, je suis vraiment, ça m'a. Enfin, j'étais pas mieux. Mais je voulais aussi. J'ai beaucoup apprécié la notion de focale, parce que pour moi, elle m'inspire deux choses. Il y a un rapport à l'histoire et un rapport au micro-Macron. Sur l'histoire, on a parlé de, comme inspiration de la révolution de 1789. Après, il y a eu quand même, certes, 1794, mais il y a eu aussi 1848, qui a aussi été. La commune dont. Il y a la circulation. Je suis désolé, Alain, je t'ai coupé le micro. Je voulais couper le micro de quelqu'un qui était immédiatement à côté de toi. Pas de la censure. Par contre, ne sois pas trop long. Ne sois pas trop long, par contre. Hein. Vas-y. Je ne sais pas ce que j'ai dit ou. Personne ne le sait puisque tu étais muet. Mais vas-y. Ouais, mais vas-y, coupe. Non, mais juste. On en était à 48. Voilà. Ah ouais, ça va. Oh, mais c'est pas possible. Je l'ai refait. Je suis. Arrête de me couper le micro, Yves. Je vais mal le prendre. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'il y a 48 et la commune derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a notamment Michel Rio-Sarcé qui a fait un bouquin il n'y a pas longtemps sur ça, parce que je pense que ça parle aussi aux Français d'aujourd'hui dans ce que l'on vit par rapport à la place de l'État. Et ce rapport-là, moi, ça m'a fait penser aussi quand j'ai entendu Amadi l'année dernière. En fait, l'histoire, elle se dit au présent chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont révolutionnaires au présent. Et je voulais vous partager une citation de Maurice Gautelier. Les hommes ne se contentent pas de vivre pour être en société, mais ils produisent de la société pour vivre, ils fabriquent de l'histoire. Et je crois que véritablement, là-bas, en fait, ils sont dans cette situation-là. Et comment, et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, ici, dans l'autre rive, on peut faire levier. Parce que ça a été dit, on vit des situations assez proches, même on pourrait parler, ça a été dit, de contre-révolution en France. Et c'est là où j'interroge aussi la place de la transformation. Et c'est là où le côté micro-macro, moi, m'intéresse. Je suis plutôt de culture municipaliste. C'est-à-dire que je remets en question non pas la décentralisation institutionnelle qui, aujourd'hui, en tout cas, nous, on le vit à Marseille comme une centralisation localisée, parce que c'est ça. Les Jacobins ne sont pas uniquement à Paris, mais dans la culture, ils sont aussi à l'échelle de certains barons de petites collectivités. Donc, comment on reconstruit du pouvoir d'agir, mais à l'échelle locale? Parce que malheureusement, la communauté, on a du mal à la vivre au niveau national dans sa transformation. Et ce que fait Amadi à l'échelle de Rajebel et du gouvernorat, il a pouvoir d'agir. Il a dit tout à l'heure, à l'échelle micro, l'enjeu, c'est comment ces micros-là arrive à faire macro et comment on arrive à construire justement ce levier. Je voulais juste finir sur ces questions de transformation. Ça a été dit, la question du déclenchement, l'insupportable. En fait, à un moment donné, en Tunisie, il y a eu l'insupportable. Ça a été dit par Sophie Gagne. À quel moment on va vivre l'insupportable pour se dire on va déclencher? Et alors, juste pour lancer une invitation, mais j'apprécie beaucoup les travaux notamment du Liris, parce qu'on est ancré sur du travail social, et je pense qu'il y a des enjeux ici, par exemple, je l'ai déjà dit, hein, mais Yves, c'est que par exemple, il y a aujourd'hui un partenariat qui est inscrit dans la durée avec l'IMF, d'autres partenaires dans le cadre du PCPA, le PCPA qui est le programme pluriacteur, qui normalement questionne la société civile et les États en Tunisie, enfin au Maghreb et en France, mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est un appel que je fais en France notamment, comment ce PCPA, après cette expérience en Tunisie, il interroge véritablement aussi les institutions et la société civile en France. Et ça, véritablement, il y a encore, voilà, il y a du travail à faire. Il y a du boulot, je suis bien d'accord. Et l'expérience notamment, et je finirai là-dessus, donc excuse-moi, mais parce que la CAE j'ai vécu vraiment l'année dernière une expérience riche. En même temps, et c'est pour vous montrer aussi les niveaux, comment les alliances permettent d'accélérer l'histoire. Elisabeth Bost a imposé la CAE après 15 années de travail. Ce travail de transmission qu'elle a fait auprès d'Amadi, ce qu'on a vécu, nous, l'année dernière, c'est qu'en fait, Amadi a gagné énormément de temps. Aujourd'hui, il a réussi à influencer la loi sur l'économie solidaire en à peine 2-3 ans. La CAE que j'ai un peu capitalisée l'année dernière avec lui, c'était à peine un an et demi d'existence. Et donc,
Ça, c'est lié aux alliances qu'on a pu construire, notamment, et aux transferts qu'a pu faire Elisabeth auprès d'Amadi. Donc, c'est ces alliances-là qu'il faut, à mon avis, déployer à l'échelle micro et avec, évidemment, un enjeu de faire système au niveau macro. D'accord, excusez-moi. Très bien, très bien. Non, c'était très clair. Il n'y a pas de souci. Tu peux couper mon micro si tu veux. Je m'en charge tout de suite. Dites-moi, qui veut enchaîner, qui veut conclure peut-être. Bon, bref, moi, je ne vais sûrement pas faire la conclusion. Je ne suis pas à la hauteur de la qualité du débat. Et Eric Soriano, pas trop. Vas-y. Non, si, je peux. Ah, attends, je veux. En plus, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Et on se retrouve grâce à l'occasion de ce... Donc, c'est génial. Vas-y. Bien vu, Eric. Merci, je trouve ça super. Franchement, je trouve que le débat est très, très intéressant. Je suis là depuis une heure, mais je trouve ça vraiment passionnant d'entendre des acteurs très différents prendre la parole. Et j'avais une question peut-être à Sophie. J'espère que je ne lui rends pas un mauvais service en lui posant cette question-là, mais je suis un peu obsédé par l'émigration, moi, par la circulation des individus et donc par la circulation des idées. Et je me demandais dans quelle mesure on avait... Enfin, qu'est-ce que l'émigration et qu'est-ce que la circulation des idées avait changé dans la façon de percevoir des révolutions, quoi. C'est très, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, voilà, Sophie, je suis désolé. C'est une façon de te demander de conclure. Mais j'ai tellement l'impression que les prises de parole des uns et des autres sont significatives de ça. C'est-à-dire qu'on se parle beaucoup parce qu'on parle, pourquoi pas, les mêmes livres. Et même si on rate beaucoup de références d'un certain nombre de nos collègues ou autres Tunisiens, mais je trouve important de se poser cette question-là. Voilà. Ensuite, peut-être Henri Saint-Jean qui voulait parler, on conclura finalement. Je ne veux pas conclure, puisqu'on est dans le travail social. Excuse-moi, non, je proposais que tu conclues, mais qu'avant Sophie Vanish réponde à Eric Soriano. Qu'il a interpellé sur une question précise. Peut-être Sophie, c'est à vous et puis. Alors il y a deux questions en une parce qu'il y a une question théorique qui est celle des circulations et des migrations dans la manière dont les révolutions se répondent ou se répandent. Mmh. Et puis il y a la question spécifique de la révolution tunisienne dans une situation qui est quand même une situation post-coloniale. Des deux côtés de la Méditerranée. Donc, alors, du côté des circulations, je dirais que les idées circulent, bien sûr, avec les gens qui circulent. Ça, c'est à la fois un truisme, mais elles circulent aussi avec les traductions. Et donc, la question, c'est aussi comment les traductions se font. Et j'avais, bien sûr, comme tu sais, travaillé sur la question de l'étranger pendant la Révolution française. Et ce qui m'avait frappé, c'était que les étrangers qui arrivaient en France ne parlaient pas du tout français, mais qu'il y avait énormément de traducteurs et que ça faisait partie des choses absolument normales de trouver des traducteurs. Alors, j'ai été donc frappée par cet espace politique qui était capable de fournir des traducteurs dans toutes les situations institutionnelles où on estimait que l'équité supposait que l'étranger puisse savoir ce qui était en train de se dire. Et donc, par exemple, les situations de justice, qu'il soit plaignant ou qu'il soit incriminé. Et donc, il y a quelque chose là où ce qui est appauvri aujourd'hui, c'est la question de la traduction. Et donc, ça n'aide pas à faire circuler parce que les idées qui circulent sont celles qui sont immédiatement emboîtées dans certaines langues, le français encore un peu quand même, mais beaucoup l'anglais, et que quand même, quand on connaît le français et l'anglais, on voit bien qu'on ne peut pas dire les mêmes choses dans les deux langues. Mmh. Et donc, il y a certaines choses qui ne peuvent pas circuler si on a une seule langue. Et que la question de la traduction, c'est une question beaucoup plus de l'interface, de l'écart culturel, pour reprendre les mots de François Julien, et que ça me paraît très important pour les révolutions, puisque chaque révolution suppose qu'il y ait quand même l'auto-institution d'un collectif révolutionnaire, et que cette auto-institution d'un collectif révolutionnaire suppose de la singularité, et que ça ne peut pas se faire dans une langue normale. Voilà, ça se fait dans sa langue, avec l'intimité qu'on a avec la langue. Et donc, après... la question des migrations au sens
il y a l'aspect migration internationale de travail et l'aspect migration politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout ce qui concerne les Black Blocs, par exemple, j'ai une étudiante qui a fait son mémoire sur les Black Blocs, en fait, ce qu'elle décrit, c'est comment ça a circulé de l'Allemagne et de l'Italie vers les États-Unis, comment c'est revenu en Europe, comment c'est revenu et comment ça, maintenant, ça circule d'une manière tout à fait étonnante. À travers des gens qui ont circulé, mais aussi des idées qui ont circulé, et avec des changements de langue, puisqu'on est passé du Schwarzblock au Black Block, et avec le Black Block, ça s'est fixé, hein, on ne parle pas du bloc noir en français, mais il y a quelque chose là qui est extrêmement intéressant à observer avec des outils aujourd'hui, où la circulation, elle se fait bien sûr par les réseaux. D'ailleurs, tout à l'heure sur l'hôpital, on voit qu'il y avait un réseau qui était un réseau entre différents pays du Maghreb. Et ces réseaux, ils pourraient être liés aussi aux solidarités grecques qui ont eu les mêmes objectifs de venir suppléer à ce qui dysfonctionnait dans l'État pour pouvoir maintenir cette société qui maintient en vie, comme disait tout à l'heure Pierre-Alain. Donc, il me semble que là, oui, il y a un enjeu important. Et qu'on n'est pas assez attentif à ces questions de circulation parce qu'on est dans un moment hégémonique. L'anglais fait qu'on a l'impression que tout est disponible et circule partout, mais ce qui ne circule plus, c'est ce qui n'est pas en anglais. Et ça, c'est un problème, à mon avis, majeur. Mais ici, je peux intervenir ici pour dire, d'après mon expérience avec mes amis, donc c'est pas la langue qui a bloqué les trucs. Donc, la chose, c'est comment tu parles et non plus avec quelle langue tu parles. Ça sentit, les choses, ça sentit. Donc, et si je sens, je peux comprendre même les gestes. J'attends pas que tu parles. Même avec tes gestes, je peux comprendre. Moi, avec mes amis français, donc on a réfléchi ensemble. Donc, on a des langues différentes. Donc, l'arabe et le français. Donc, peut-être nous, on peut comprendre un peu le français, mais pour eux, ils ne comprennent pas l'arabe. Mais malgré tout ça, on a réfléchi ensemble. On a construit ensemble. C'est la confiance réciproque. Tous ensemble, donc je te remercie beaucoup Amélie, c'est ce qu'on a aussi essayé de faire ce soir. Est-ce qu'Annie Lamante, je suis désolé en fait Annie, je ne t'ai pas sollicité. Et Henri Saint-Jean qui voulait parler. Henri Saint-Jean absolument, qui conclura, je m'y engage. Okay. Il n'y a pas d'obligation. Si Annie veut pas, puisqu'elle nous a fait le plaisir d'être là, si elle ne veut pas enchaîner, oui, bien sûr, tu peux conclure, Henri. Et puis si Annie veut dire un mot, elle le dira. Il y a tout un volet, alors c'est peut-être parce que, étant revenu en France et retraité maintenant, bien que je sois dans des travaux de recherche, dans un labo, je m'occupe du secours populaire. Et donc, ça, ce qui m'intéresse dans ce qui se passe en ce moment, et faisant référence à la Tunisie, je crois qu'on sous-estime beaucoup, ici comme là-bas, le fait que quand les populations sont habituées à vivre avec des États paternalistes, même s'ils sont autoritaires, le paternalisme qui leur rend service et rend des services, ils le préfèrent finalement. Donc, ceux qui vont récupérer la mise, et c'est le cas dans beaucoup d'éléments, ça va être ceux qui sont les plus actifs dans la charité. Alors ici, ce serait la charité chrétienne, et ailleurs, ça sera les mouvements islamistes. Et ce n'est pas un hasard que la conscience politique, à partir des gens qui les aident, elle aille de ce côté-là. Donc je pense qu'on sous-estime beaucoup cette question et je crois qu'il est tout à fait important de mettre en place ce qui a été appelé des micro-interventions sociales qui permettent de transformer ce qui apparaît comme une charité ou ce qui apparaissait comme du paternalisme à ce que le mouvement ouvrier a largement oublié, c'est effectivement la solidarité. J'ai découvert, pourtant je suis un vieux militant qui vient de l'extrême gauche, en retravaillant la commune, que sous la commune, Eugène Varlin, on en parle peu, avait mis en place avec sa compagne un restaurant populaire qui s'appelait La Marmite, par exemple. Combien d'ouvrages en parlent ? Peu. Il faut vraiment fouiller, et parce que je pense que tous ces trucs qui ont été occultés,
et je m'en excuse, je terminerai par une qualification pas sympathique, le mouvement communiste stalinien a complètement étouffé tous ces aspects, on va dire, d'auto-organisation. Voilà. D'accord, bah écoutez, voilà, pourquoi pas, même si, voilà, peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi ça me convient. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, est-ce que je vais priver quelqu'un de parole? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, on a quand même tenté un débat un peu inédit, je trouve, enfin, un peu, voilà, des échanges un peu inédits. On était voilà, avec des gens qui sont acteurs aujourd'hui de la Révolution, d'autres qui sont présents dans la Révolution tout en vivant en France. Il y avait des intellectuels en poste, il y avait des chercheurs donc, qui représentaient aussi leur discipline, et je les remercie beaucoup d'avoir été là. Il y avait des professionnels de terrain, il y avait des personnages un peu ambigus dont je fais partie. Ben, je pense que c'est exactement le type de dialogue qu'il faut qu'on poursuive, et je dois dire que voilà, j'ai sollicité tout un tas de gens que je n'avais des fois pas contacté depuis longtemps, et beaucoup de ces gens-là sont venus. Ben, ça prouve qu'on a un avenir en commun et qu'il faut qu'on en profite, qu'il faut qu'on le fasse vivre. Yves, juste, je voulais juste dire un truc. Oui. Est-ce qu'on peut annoncer qu'il y aura une suite à ce type de rencontre-là? Est-ce qu'on peut annoncer qu'on va essayer de travailler sur en garder des traces? Là, on a un enregistrement. Moi, je pense que… Alors, Sophie, je peux… Sophie, vous m'avez… Bon, Sophie m'a dit qu'elle continuerait à éventuellement échanger. Est-ce que vous voulez, Sophie, que je montre la couverture de votre bouquin qui va sortir bientôt? Si vous voulez, ça me fera plaisir. Ah, ben voilà, moi aussi, ça me fera plaisir. Alors, attendez, c'est pour moi. Si mon ordinateur veut bien réagir. C'est un livre du même genre. Hein, parce que notre voilà. C'est un livre à quatre. Très bien. Alors, eh bien, quelqu'un peut peut-être prendre la parole pendant que je cherche ce document. Alors, attends, il est là. Peut-être que vous pouvez un peu parler de ce bouquin, et puis vous m'avez dit vous pourriez peut-être revenir éventuellement nous en parler. Donc, Sophie, si vous voulez en dire un mot. Mais je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Henri Saint-Jean, parce que je pense que ça recoupe des choses qui ont été dites avant. C'est-à-dire que la question de l'auto-organisation et de la solidarité, c'est en ce moment justement les lieux d'institutions civiles qui permettent des noyaux politiques de s'instituer. Et je pense qu'on les observe partout où la défaillance étatique est criante. Donc, pour la région parisienne, dans le 9-3, les brigades de solidarité, c'est effectivement, dans un premier temps, on les voit comme des brigades de charité, comme il peut y en avoir à toutes les époques, y compris du point de vue paternaliste du roi, les greniers d'abondance. Mais en fait, l'objectif de ces brigades de solidarité, c'est à la fois de créer l'idée que le peuple ne se sauve que par lui-même, et d'autre part, de permettre évidemment aux gens de vivre et de produire des noyaux politiques. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui est vraiment important, parce qu'on observe ces pratiques-là un peu partout, et c'est effectivement un mode de politisation qui est en même temps un mode de réparation du social pour permettre une relance politique. Mais c'est laborieux, c'est difficile. Il y a un travail de sape et de segmentation par le néolibéralisme, et il y a un travail de ravaudage par ces auto-institutions du social. Mais c'est une course de vitesse, finalement. Mais là encore, les expériences vécues font que les gens savent ce qu'ils ont fait. Ils savent que quand ils vont donner des petits déjeuners à la chapelle aux migrants, ça a un sens qui est au-delà de donner un petit déjeuner. Ils savent ces choses-là de l'intérieur, et donc ça produit la possibilité de lancer les choses. Mais par contre, je trouve que ce que les gens ne savent pas suffisamment, c'est qu'on peut être luxembourgiste au sens de Rosa Luxembourg, c'est-à-dire jouer sur différents tableaux du politique. Et donc là, le problème, c'est que les gens qui sont du côté de cette auto-institution se désintéressent souvent totalement des enjeux électoraux. Mais ceux qui disposent de la police, c'est quand même ceux qui sont au pouvoir électoral, enfin, par les élections. Et donc, il y a quelque chose où cette auto-institution de la société, elle est à la merci de ceux qui ont été déclarés par Samia comme incompétents, mais qui sont en fait contre-révolutionnaires, et qui ont avec eux une police contre-révolutionnaire. Et donc, je pense qu'il faut
défendre l'idée qu'il faut tenir les différents bouts du politique. On n'est pas obligé d'être dans tous les lieux en tant que personne, mais en tant que formation discursive politique, il faut faire attention à tenir les deux, à ne pas se laisser faire dans l'écrasement comme a été écrasée la commune, puisqu'on évoque en ce moment la commune. La commune, c'est quand même un écrasement vertigineux et on n'est quand même pas sorti de ce vertige. Et l'enthousiasme pour la commune, c'est quand même toujours pour moi un peu complexe parce que c'est comme si on n'avait pas été, en tant que mouvement ouvrier, en tant que mouvement d'auto-institution, totalement écrasé. Voilà. Et donc, il y a quelque chose où il faut saisir. On a parlé de desserrer l'étau à plusieurs reprises dans cette séquence, bien que l'étau, il est à différents endroits et que la destruction de la société, c'est un enjeu, mais cette destruction des mouvements sociaux qui émanent de la société qu'on reconstruit, elle vient du pouvoir et de ceux qui ont les manettes du pouvoir. Donc, il faut tenir ce côté-là aussi. Merci beaucoup. Je pense que vous, tu as apporté la conclusion. On ne pouvait pas imaginer meilleure conclusion que celle-là. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir continuer. Alors, nous, ici, donc, à l'IMF, ce qu'on veut, c'est vraiment, comment dirais-je, mettre en présence et se faire se réunir des gens... voilà, des professionnels ou des, et puis des gens qui sont du monde académique. Moi, je pense que le monde académique est un univers passionnant, mais je crois qu'il faut absolument qu'on aille chercher les chercheurs, qu'il faut, voilà, il faut les solliciter, il faut qu'on vous sollicite, il faut qu'on pense avec vous, et je fais un peu partie des deux mondes. Comment dirais-je, voilà, il faut créer des agora, des places publiques où les intellectuels vont retrouver leur place. Si nous, on peut y contribuer. Et il y a une demande très, très forte du côté des professionnels du travail social là-dedans, des gens de terrain qui vivent des choses pas faciles. Il y a une aspiration à la culture, à la connaissance et aussi à transformer son expérience en culture et en connaissance qui est très grande. Et il faut absolument qu'on lutte contre l'idée selon laquelle on n'aurait pas besoin des chercheurs. Et évidemment qu'on en a besoin. Et même si c'est parfois justement l'État qui savonne la planche des gens qui l'a recruté, il faut lutter contre ça et il faut créer des lieux, des espaces et il faut, voilà, mais c'est aussi parce que j'ai été inspiré, je le redis, hein, je suis un peu fan, je suis désolé, je suis un peu comme ça, mais j'ai vraiment été inspiré par les prises de parole publiques de Sophie Vanisch que j'ai eues, voilà. Non, mais vraiment c'est très inspirant et il faut multiplier ça et que vous ayez tous été disponibles, tous les participants à la table ronde et tous ceux qui sont venus et qui ont payé de leur personne, je trouve ça très encourageant. Merci à vous, Yves Lacascade. On ne se connaissait pas, donc voilà. Oui, oui. Merci à vous et à bientôt. On se connaît maintenant. Voilà. Tous et toutes. À bientôt.